mission. Et après tout, pourquoi on remettrait pas ça? Matchup. Jhinair Greenwing. ESC Ever. A.T. Walter. Samsung. 2016 Coca-Cola Zero League of Legends Champions Korea Summer Round 2. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue de bon matin pour cette dernière journée de LCK avec Tech Tech. Salut mon Tech Tech. Et oui, effectivement, dernière journée de LCK et une journée qui peut un petit peu montrer tous les scénarios possibles. C'est ça. Chaque duel qu'on va pouvoir observer ce matin et en ce début d'après-midi va probablement être décisif pour les 4 équipes qu'on va voir jouer. Ça va être de la très très belle LCK. Ouais, il y a de l'enjeu dans ces deux matchs. Vous avez vu les affiches qui vous ont été divinement présentées par Monte Cristo. Jhinair Green Wings contre ESC Ever. Et enfin, on terminera ce Summer Split de LCK 2016 par un magnifique KT Rollster contre Samsung. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eurogaming. La LCK reprend. La LCK est en semaine finale. La LCK est bientôt en playoff. Et dans cette dernière semaine, il y a des duels dans les matchs et des matchs dans les duels avec Jhinair Greenwings, ESC Ever, la bataille pour la place de non-relégable. Effectivement, ESC Ever qui pourrait sortir de cette phase de relégation dans le cas d'un 2-0 bien sec infligé à ces Jhinair. Et ce serait une grosse mésaventure pour cette Jhinair qui du coup devrait jouer les up and down de Corée, qui est peut-être les up and down les plus difficiles à les négocier. Extrêmement difficile, hein, effectivement, pour les Jhinair. En plus de cela, ce serait terrible, hein, pour une telle line-up avec justement autant de durabilité dans la LCK, dans les OGN Champions, enfin peu importe comment ça s'appelle chaque année. C'est vrai que pour les Jhinair, c'est quand même, voilà, il y a un petit standing minimum, on doit se requalifier. Mais pour les Sever, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la success story qui doit se poursuivre. On est sorti de Challenger,
il faut rester maintenant en LCK. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai que ce serait assez incroyable comme scénario de voir en LCK les Jhinaire et les CG Entus en relégation d'une saison de LCK. C'est dire à quel point est-ce qu'il y a du mouvement en Corée. Ah, ça c'est très clairement le cas, puisque quand même deux line-up majeurs hein, au fil des années en LCK. Et le second match, bien entendu, KT Roster contre Samsung. Là aussi, il y a de l'enjeu. Puisque au niveau du classement... Peut-être un petit peu le petit bonbon. Là, on a l'apéritif très sympathique du Jhinaire Ever. Et après, on aura voilà, le petit dessert, la petite cerise comme ça. La petite sucrerie qui fait plaisir. J'avoue que le KT Roster Samsung, je l'attends avec impatience. La guerre pour la troisième place qui va du coup devoir faire la différence. Qui va être le meilleur entre Samsung et KT Roster sera juste après ce match. Je vous invite à rester pour toute la machine. D'ailleurs, dans ce match-là, on peut encore se poser la question qui sera le meilleur, puisqu'on aura l'occasion de couronner notre MVP de saison. Et actuellement, c'est Smebu, le top player de Rogue Tigers, qui mène la danse avec 1200 points. Mais attention, juste derrière lui, le second, c'est nul autre que Someday, le top player de KT Roster. Donc, un double MVP pour Someday, ou un triple. Si jamais on est en BO3, pourquoi pas, ça peut arriver d'être MVP même en perdant. C'est arrivé déjà. Je ne suis pas sûr. Et pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Ça peut arriver. Ça peut arriver à quelqu'un. Ça peut arriver à Someday. Si voilà. Ça doit arriver à quelqu'un, c'est vrai que ça peut arriver à Someday. Après. Exactement. Et donc ici, nous aurons un seul MVP à couronner. Mais ce sera pour le second match. Le premier, Jhinaire Wings contre ESC Ever. Au niveau de la confrontation, les deux équipes, eh bien, on est en positif côté Jhinaire. Hein, puisque le dernier BO qui a été joué entre deux équipes s'est soldé par une victoire des Jhinaire Green Wings, mais un 2-1. Voilà, à la fin d'un BO3 entier, donc forcément un match qui est en lui-même relativement serré. Alors les Sever, vous voyez ici, ils sont environ 22 dans leur équipe. Qui est aligné aujourd'hui? On a qui la Loki en bot lane. Du coup, on va voir si Bless aussi est tempt pour savoir être tranchant dans ce BO. On sait que de toute façon que contre les Jhinaire, il n'y a pas 30 milliards de solutions. Non. Il faut trancher en early game parce que en termes de défense, ils sont bien supérieurs à n'importe qui. C'est la ligne Maginot. Voilà, c'est la ligne Maginot, les Jhinaire. Ça fait maintenant plus de 3 ans que les Jhinaire Green Wings sont justement présents à un très haut niveau compétitif. Et ils ont toujours le même trait racial. C'est qu'ils sont un petit peu les maîtres spirituels de CLG Europe, de Alliance, de Elements, c'est-à-dire des parties à rallonge. Ils épuisent leurs adversaires, un petit peu comme un boa constrictor irait épuiser justement sa proie. C'est ça, ils sont inexpugnables, les Jhinaire, et du coup à force, ben on s'épuise contre leur défense, et sur la fin de la game, ils ont quand même une gestion du late game qui est assez pertinente pour pouvoir clôturer des games, passer la barre des 40 minutes de jeu. Ils aiment bien les coin flips, hein, effectivement. Un seul team fight to roll them all. C'est ce qui leur convient au niveau de leur record cette saison. Un peu à la chinoise, en fait, au final. Un peu, oui, c'est vrai, un peu à la chinoise, en effet. Vous voyez, leur record à travers la saison. Bon, ici, on est sur les Sever pour les Jhinaire Green Wings. Eh bien, on est dans le vert, sauf contre les équipes de haut de classement. On a un joli 3-3 contre SK Telecom. Et un 2-2 contre CG Entus. Hein, à la fois un bon résultat et à la fois un résultat un petit peu... incompréhensible pour la rencontre contre CG Entus et pour les ESC Ever. Bien quant à eux, on va dire qu'il y a de la bataille sur à peu près tous les BO, mais le haut de classement, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à valider plus d'une partie. A noter d'ailleurs le 4-1 contre l'Africa Freaks de la part des Ever, qui ont surpris. C'est vrai que les Freaks aussi savent surprendre, puisqu'ils n'ont pas mis moins de 4-0 à SK Telecom T1. Donc on a vraiment à chaque fois, tu sais, on a une espèce d'une trinité à chaque fois, tu sais pas qui va battre qui, ça se tourne un petit peu autour. Ouais, on parle beaucoup de ce problème là en Europe ou en Occident, les top teams qui perdent contre les équipes de bas classement, bah c'est un fléau qui intervient même au pays du matin calme, figurez-vous. Ouais. Et dans les meilleures équipes pour le coup. On aura également pour cette phase de play-off, ça commence la semaine prochaine, voilà ce que je voulais vous dire, ça commence la semaine prochaine. Et vous le savez, hein, le format est un petit peu différent à ce qu'on a l'habitude de déguster en Occident, puisqu'il s'agit d'un arbre. Un arbre sous forme de bracket, de gauntlet, pardon, pas de bracket, un arbre sous forme de bracket, bravo, génial. Non, un gauntlet, bien sûr. Alors, gauntlet, c'est quoi? C'est un roi de la colline, un king of the hill, où on a bien sûr, en fonction des résultats de saison régulière, voilà, le premier qui est tout en haut et qui attend patiemment ses adversaires. Et ceux qui sont tout en haut,
Eh bien, on les connaît déjà, ce sont les Rocks Tigers. Mais trêve de discussion, le 89e match tech de LCK Summer commence. Ouais, et ça va être Jhin'Air contre ESEVER avec directement first ban du Varus de Tempt. Réponse, le Malzahar plus méta. C'est vrai que Tempt peut faire mal. Tempt peut être un petit peu l'élément perturbateur de cette composition des Ever. Lors de leur dernier affrontement, la game remportée par les Ever l'avait été en grande partie par Tempt sur un Swain de grand gala, bien aidé aussi de Bless, toujours aussi efficace en early game. Bless, ça reste toujours sa marque de fabrique. Et la Loki. Ouais. Est-ce qu'on en parle, cette Loki, justement, n'importe quel combo botlane qui peuvent marcher, souvent les initiations longue distance qui sont la spécialité de cette botlane Loken Ki, surtout Ki, qu'on attend avec impatience. Malheureusement, Ki n'aura pas accès à son Braume, qui est désactivé en Corée. Bien évidemment. Alors ça, c'est vrai que dans le Promotion Tournament Europe, il n'était pas désactivé. Non, mais de manière générale, en Occident, il n'a pas été désactivé, alors qu'il a été désactivé en Corée. On a des précisions sur le bug dont il est victime actuellement, parce que je t'avoue que j'ai pas eu l'info qui est remontée jusqu'à moi. Je sais pas non plus, j'avoue que je sais pas du tout. Voilà. En tout cas, pour Kennen, je sais. C'est son ulti, en fait, qui est invisible s'il est protégé par un Black Shield de Morgana. Ouais, c'est ça. C'est ouf. C'est un petit peu un problème. Testez ça en live, dites-nous ce qu'il en est, un petit peu. Après, je crois que c'est juste sur le 6.14 et du coup, sur le patch live, je crois que le bug n'est plus actif. Ah. Ça a dû être corrigé, mais c'est vrai que je me demande quand même la raison du... Parce que Braume, c'est pas un personnage mécaniquement très, très demandant, donc les tentatives de bug, à mon avis, elles doivent pas être si évidentes que ça. Mais attention, la phase de draft qui avance extrêmement vite. Trace a déjà veillé des gangs planqués en face au niveau des ES et Ever. On a la Thalia pour Tempt et Loken sur Ki. L'initiation longue distance commence. Et voilà, c'est ce que je voulais trouver. First Thalia pour Tempt. Alors attention, on sait que c'est un pick qui est très en vogue en ce moment en Corée, ainsi qu'à travers le monde de manière générale, mais beaucoup plus en Corée, surtout au niveau des top teams. Et c'est extrêmement bon d'ailleurs qu'un joueur comme Tempt ait fait l'effort justement de préparer ce championnat. Il y a une grande champion pool. Et pour la Thalia, c'est une première en compétitif. Ouais, on va voir s'il va être capable d'aller décaler notamment sur cette Loki, la fameuse Loki en botlane de ses Ever avec la hache. Donc on part à nouveau, comme tu disais, sur cet engage très long range à laquelle on est habitué. Avec une Thalia en plus, ça pourrait être ravageur pour la duel des Loki. Faut faire attention parce que la Thalia, il y a un niveau de Thalia en LCK. Il faut un minimum pour être homologué et validé par le jury. Les décals, etc. Faker l'a beaucoup trop joué pour que ce soit, on va dire, acceptable de faire une performance moyenne. Donc Tempt ici, un petit peu sous pression en plus de ça. Comme on vous l'a dit, c'est un BO très important pour les ESEV. Ainsi que pour les Jhin'Air, pour le coup, évidemment. Alors, comment est-ce que ça avance? On a déjà validé la Rek'Sai pour Bless, son troisième champion le plus joué. Kuzan, encore une fois, toujours sur la Lissandra midlane. C'est un petit peu le seul qui reste coincé dans cette faille temporelle où la Reine de Glace est toujours dans sa godlist. Qu'est-ce qui se passe au niveau des ESEVER? On sait pas trop. Oui, je dis oui. Allez, un no balls. Volibear top, on n'a pas peur pour Crazy. Balls total. Ce sera Echo du coup top, c'est vrai que Echo c'est tellement fort contre un GP. Contre un GP, hein. De toute façon GP on a très bien compris en ce moment. Il y avait deux picks qui fonctionnaient très bien contre lui, Echo et Gnar. Alors il semblerait que pour Braume ce soit un bug qui se fasse one shot par le Nashor selon certaines conditions. Ça peut être embêtant, ouais. Ça peut être un petit peu gênant. Ça peut être gênant. Avec certaines conditions, c'est marrant ça. C'est-à-dire qu'il intercepte un projectile et boum. Ouais, c'est ça. S'il arrive avec son l'Unbreakable, donc le son E, à dasher vers un allié, je crois, il se fait one shot par le jet d'acide d'un Nashor. C'est plutôt pas mal. Intéressant. Bon. Belle recherche en tout cas. Je sais pas comment t'as fait pour trouver aussi vite. Ah, t'es sur les bug fixes. Joli talent. Pilot sera sur Sivir et Winged sera sur Gragas. Gragas last pick d'ailleurs en blue side. Relativement étonnant. Ouais, effectivement, on a gardé la jungle pour très très tard du côté des Jhin'Air. Bon, par contre, on est sur du Alistar Sivir en bot side, c'est-à-dire deux champions qui n'ont pas de dash inné. Est-ce que ce serait pas une cible un petit peu facile pour une Thalia? Ça dépend de la qualité du coup de tête, je pense. Ça dépend un petit peu de la qualité du coup de tête, mais effectivement, c'est un scénario assez dangereux justement le mur de Thalia, comme tu dis. C'est bien dommage d'ailleurs que Braume ne soit pas actif. On a vu à quel point est-ce que Braume ça peut être puissant contre Thalia, parce que le mur de Braume cancel l'ultimate de Thalia. Et du coup, le bloc, ce qui peut laisser une lane ouverte. Alors,
une autre question. Est-ce qu'il devrait cancel un mur de pierre qui jaillit, justement? Est-ce qu'on peut considérer cela comme un projectile? Le débat est ouvert, le débat est ouvert. On vous laisse débattre dans le chat. Est-ce qu'un win-wall de Yasuo peut bloquer quand même un truc aussi énorme? Je ne sais pas. Ah bah c'est de l'air. Quelle est la puissance du vent? Est-ce qu'on sait la puissance réelle du vent? On sait tous que de toute façon, l'air contre totalement la terre. Hein. C'est classique évidemment, c'est pas du tout l'inverse. Ça dépend, ça dépend. Si on prend Pokémon par exemple, les Pokémon sol, les Pokémon vol sont immunisés aux attaques sol. Par contre, sont très faibles aux attaques roches. Parce qu'ils sont au sol, ils sont hors de portée évidemment. Mais très faibles aux attaques roches, donc les lancers de cailloux. Voilà, c'est ça. Les jets de pierre, il faut faire attention quand vous avez un Roucoule. Tout est bon pour Talia, je pense. Et Talia, est-ce qu'on est sur du sol, est-ce qu'on est sur de la roche? J'aurais plutôt tendance à dire la roche, donc c'est vrai, C'est plus roche que sol. Hein. Voilà, j'aurais plutôt tendance à mettre le wall. On la sent assez libre dans ses mouvements, alors que Malphite, lui, c'est vraiment... Rek'Sai, c'est vraiment le Pokémon sol par excellence. C'est vrai que, limite, Anivia pourrait être immunisée au N-Bureau de Rek'Sai. Oui, bah elle vole, de toute façon. Voilà, c'est un oiseau, comment vous voulez bump un oiseau? C'est compliqué. Il y a beaucoup de champions qui volent dans la faille, mine de rien. Par exemple, Sona. On oublie souvent, mais Sona aussi ne touche jamais le sol. Et Sona est muette, d'ailleurs, si vous ne savez pas. Malzahar aussi ne touche pas le sol. On a quelques champions comme ça qui... Mais Malzahar a la classe. C'est différent. Alors que pas Sona. Sona, elle a moins la classe. C'est pas les mêmes arguments. Malzahar, il a un petit peu des choux, c'est retour vers le futur, tu vois. C'est les overboard next generation. C'est le Malzahar qui a été ban, d'ailleurs, cette partie. On ne verra pas, mais on a une Talia, mesdames et messieurs. Dernier jeu de LCK, Jhinnyar Grimmiss contre ESC Ever. C'est parti. On rappelle qu'il y a un autre BO qui va suivre juste ailleurs entre KT Rollster et Samsung. Dragon des océans pour cette première game. Ouais. On est parti du coup dans cette première game ES Ever contre Jhinnyar Greenwing. L'enjeu pour les Ever est de réussir à scorer un 2-0 afin d'aller sortir cette Jhinnyar de cette zone de confort un petit peu neutre et surtout sortir eux-mêmes de cette zone de relégation. Dans le cas de la moindre game récupérée par les Jhinnyar, ce serait peine perdue pour les Ever qui seraient quoi qu'il arrive perdant dans ce trade puisque en termes de différentiel de game, il serait derrière. Ouais, on est seulement à 3 points d'écart entre ces deux teams, donc étant donné qu'elles s'affrontent, effectivement 1-2-0 permettrait au ESC Ever de passer au-dessus. Sachant d'ailleurs que ce scénario n'est possible que parce que les Jhinnyar subissent une pénalité de 1 point à cause d'une déconnexion... Rageuse. Ouais. Le rage quit, le fameux. Il y a eu un petit rage quit des Jhinnyar. Du coup, ils ont pris un point de pénalité, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exactement moins 9 games, ils sont à moins 8 en fait en termes de réalité, mais ils ont un point de pénalité et ce point-là pourrait leur porter préjudice si les Ever arrivent à scorer un 2-0. Ce serait une bien belle leçon, je pense. La course contre le karma. Ouais. Pour les Jhinnyar, forcément, avec autant de games passives, ça devait leur tomber dessus un jour. Allez, Trace et Wing, bien sûr, en duo. Attention quand même au swap aggro du Red Buff, qui aurait pu être dangereux. Récupération du Red Buff. Swap de lane qui a été assez difficile à dire qui a véritablement engagé le swap lane, mais dans tous les cas, il a quand même un format un petit peu bizarroïde, puisque... De manière générale, c'est quand même les Jhinnyar qui ont décidé d'aller sur cette top lane. Blaze qui va se faire zone un petit peu. Ils ont confiance dans le wave clear de Echo, j'ai l'impression, en début de partie. Ouais, surtout, on sait aussi très bien que souvent les supports vont aller chercher un petit peu les junglers dans le jungle. Du coup, c'est pas réellement un 2v1 qui va se positionner sur la top pas lane. Encore, ouais. Ça peut en fait laisser notamment la première. Ouh, c'est bien la part de Tempt. Excellente intervention de sa part qu'on va pouvoir récupérer. Quelque argent. Le gros corban ne sera pas récupéré, mais je crois qu'il a récupéré tous les petits. Et il a récupéré la majorité des petits en effet, et ça c'est tout l'intérêt d'avoir une Talia tellement fort ce champion dans les premiers niveaux. Niveau 1, un spell, on a tué tous les casters mignons. Ouais. Je veux dire, personne n'est capable d'en faire autant. C'est peut-être même une force peut-être trop puissante pour Talia. Je pense aussi, très franchement. Voilà. C'est peut-être un petit peu trop fort Talia. Niveau 1, une moitié de vape de mignons, ça fait beaucoup quand même. Et le TP engagé de la part de Trace. Ouh non, j'ai cru qu'on pouvait le cancel éventuellement. Sans froid, pas de CC. On a un petit peu le même sang-froid que Soaz, qui nous a d'ailleurs régalé encore une fois hier face aux Misfits. Ouais, c'est vrai qu'il nous a fait un petit peu la même avec sa Irelia.
il fait toujours une escape du genre. C'est, ça me choque. C'est vrai. Ça me choque énormément. Il arrive toujours à trouver la solution. Et c'est vrai qu'on en parlait hier, le fait que le TP maintenant dure une seconde de plus, ça pourrait être quelque chose de difficile pour ce base. Et finalement, non, ça lui a réussi quand même, même si, bon, je pense qu'il a eu un petit peu peur hier. Ça s'en est sorti à un critique près. On a tout super. On a vraiment tout super. Un BO d'ailleurs de très belle facture. Ouais. J'avoue que j'ai bien aimé voir ces deux équipes s'affronter. Beaucoup aimé. Et on... Bon, on vous spoil pas trop, mais normalement, vous devez connaître le résultat, bien évidemment. Mais attention, ce n'est pas terminé, hein, les challengers, bien sûr, Challenger Promotion. Ah, le perdant, du coup, qui va aller rejoindre les Schalke. Schalke Nulfir. Schalke Nulfir qui ont perdu contre toute attente face à des Rocket très surprenants. Des Rocket qui en avaient marre, tout simplement. Ouais. Ils en avaient complètement marre. On en a gros, on veut plus perdre. On est sorti 3-2 contre Millennium, les gars, maintenant on va direct. On veut plus attendre. Allez, le swap lane qui se remet dans l'autre sens maintenant. Il y a une belle vague de sbires là pour les Ever, pour aller chercher un petit peu de push sur cette T1 en top lane. Ouais, il y a énormément de sbires et d'ailleurs ce... voilà qui est très malin. On ne fera pas un swap lane avec justement double prise de tourelle, il n'y en aura qu'une seule. Ouais, et on va mettre un maximum de farm sur Pilot. C'est très intéressant effectivement, il va pouvoir récupérer du coup toute cette vague de creep qui s'est construite dans le temps. Et on va du coup respecter les match-up à partir de maintenant. La Loki qui va aller affronter la Sivir H. On a une Sivir qui a pu compléter son abatteur, donc il va simplement en fait se mettre à farmer. Elle le sait très bien de toute façon sur le trade pur et dur. Objectif aller derrière H, sauf s'il est ricochet touche comme on l'a vu là. Il a pris 3 hits le bon Loken. Et c'est vrai que ça peut lui poser quelques problèmes. Mm-hmm. Parce que ça met quand même de très très bons dégâts les ricochets. Bah même dès le début en plus de ça, lorsqu'on est à l'auto-attaque près, forcément les ricochets ça a beaucoup de valeur sur le poke de lane. On notera d'ailleurs que Sweet est sur une Ignite hein, tout de même, donc attention à ce danger au niveau de ESEver. On sait très bien que toute lane avec un Alistar est potentiellement létale. Ça peut aller vite, effectivement. Le all-in Alistar, sauf qu'il a pris Thunderlord, si je ne me trompe pas. Il me semble, oui. Je n'ai pas confirmation à 100%. Il me semble avoir vu le Thunderlord. Mais normalement, Sweet, Ignite, oui. Ça sent le Thunderlord à plein nez. On a envie d'aller agresser. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément été le swap lane à deux tours. Parce qu'on a envie de prendre l'affrontement et d'aller s'opposer à l'adversaire, mettre de la pression sur la Loki, ce serait quand même une très très belle performance pour les Jhin'R. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, parce qu'on a quand même 10 CS d'avance pour la Sivir, grâce à la très bonne gestion de lane, notamment de ces Jhin'R. Et on a réussi à maintenir justement Gangplank à flot, sachant que c'est vraiment un prérequis très important dans un match-up contre Ekko. Dès qu'on passe derrière en tant que Gangplank, c'est d'ores et déjà terminé pour les 20 prochaines minutes. Attention, on attend patiemment hein, bien sûr le premier mouvement et le voici peut-être un combo sur le topside. Bonne réaction de la part de Ki. Ouais, en l'air. Très important Stam Kench. Hein. On a quand même eu le temps de mettre le proc du Thunderlord avec le passif du Alistar, mais pas de boomerang. Et du coup, c'est vrai que ça sauve quand même beaucoup de points de vie à Loken qui va se refaire agresser à nouveau là. On a vu la barre de vie qui a disparu, il a pris l'année retour cette fois-ci je pense. Mm-hmm. Et là Loki qui est sous pression. Oh attention, décale de Talia peut-être de la mid lane. On sait à quel point ce mur est soudain. Oh, le headbutt qui est utilisé en plus, c'est une très bonne information. Là on a à peu près 15 secondes sans potentiel CC du Alistar. Backup de Gragas, pas très loin, Ekko qui pousse le match-up sur le côté opposé, qui sera bloqué devant la T2. Pour l'instant tout se passe bien à peu près pour les deux équipes. Petit avantage Jhin'R peut-être, avec un Gangplank qui normalement ne devrait pas être aussi bien installé. Et bien sûr Pilot et Sweet, mais j'ai quand même le sentiment que Pilot et Sweet vont rapidement être punis. Hein. Ils sont quand même très loin. C'est peut-être dangereux, ils n'ont plus beaucoup de mana, notamment pour la Sivir. Ça peut gêner un petit peu. Est-ce qu'on va pas attendre le niveau 6 des Oh là là, ce trading de Pilot. Ça sort bien contre une hache, c'est pas forcément évident avec une Sivir. Ah, attention, belle intervention ici. Okay. La clip instantanée de Temp, mais toujours slow. Le backup de Bless, on a bloqué le couloir. C'était bien vu de la part de Tench, il s'est quasiment pas arrêté. Le tombeau n'a pas eu suffisamment de temps pour apparaître en fait, j'ai l'impression. Attention, counter jungling ici, ça pourrait être très mauvais. Mais ça va, on a réussi à le valider juste avant. Il y a déjà le Tiamat quand même sur Blaze, donc là je pense que sur le trade pur et dur, le Gragas serait un petit peu décontenancé par la puissance d'une Rek'Sai. Je pense qu'il faut pas aller le chercher là. On fait cette erreur qu'une seule fois généralement. Ouais, après tu fais ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Tiamat, oui. C'est ce patch. Ok, qui pourrait peut-être aller chercher. Oh, la dévoration. Sweet. Le mur de Talia. Peut-être. Oh, et le flash instantané de Sweet. Il n'a pas pris le risque, hein, vraiment, de
de se faire rattraper par Atalia. Ça va récupérer du coup un summoner pour cette bot lane. Notamment un summoner sur le Alistar qui pourrait être la force d'engage majeure des Jhinaire sur ce début de partie. Mm-hmm. Je pense que c'est une très belle performance là du coup des Ever qui vont se donner un petit peu d'air et qui vont permettre à cette hache notamment d'aller compléter tranquillement son Essence River sans trop de... Ouais. Essence River d'ailleurs, on compte bien sûr majoritairement sur le wave clear de Talia, mais c'est un build qu'on voit de moins en moins malheureusement, puisqu'on lui préfère dans la majorité des cas le rush Runan puis l'âme d'infini. Mais là pour le coup je trouve que c'est quand même assez bien adapté et puis d'ailleurs assez bizarre de toujours pas avoir de cleans hein, sélectionnés contre des haches. À croire que vraiment les flèches de cristal enchanté ne font plus peur à personne. Ouais, il n'y a plus aucun respect pour la flèche. Ouais. Et du côté d'Ever, on va le chercher ce respect justement parce que je pense que l'Essence River est là pour ça. On a quand même une grosse composition de catch du côté d'Ever. Énorme. Du coup, avoir de plus en plus de flèches, c'est un gros manque à gagner pour les Jhinaire. On a appelé l'hélicoptère pour un peu de wave clear. C'est vrai qu'on a une composition de catch, je dirais même peut-être même des deux côtés finalement, parce qu'entre Gragas, Lissandra et Alistar plus Sivir, on a finalement une composition rentre dedans et une composition qui engage de loin et après rejoint. Ouais, c'est vrai. On a. Quel avantage là-dessus ? Je pense que c'est le rentre dedans, honnêtement. On a surtout le gros avantage d'avoir le GP qui va, grâce à son ultimate, ouais, énormément gêner la hache en fait. C'est vrai. Qui va avoir beaucoup de mal à se débêtrer. Et d'ailleurs, c'est peut-être une griffe un petit peu gratuite pour cette Lissandra de Kuzan. Donc attention du côté des Ever, ne pas laisser la game. Aux mains des Jhinaire, ça pourrait vite tourner au désastre. Ah, il est très bon Kuzan, hein, surtout sur Lissandra. Son pic de niche. Et pour le coup, il est spécialiste du dépop de Kyriade. D'ailleurs, en plus d'être infâme sur une laning phase, hein, d'ailleurs. Parce que Lissandra, c'est toujours un plaisir de lane contre. Même pour une Talia, à mon avis, ça doit pas être une partie de plaisir. Attention quand même, on est plutôt overextend au niveau de wing. Il y a le Tiamat, on rappelle, sur Bless. Oh. L'arrivée de la Talia, le Kuzma qui ne touchera malheureusement pas. Et on a l'arrivée de Kuzan en opposition. Par contre, attention, Pilot qui se fait attraper par Crazy. Et c'est très compliqué de s'enfuir d'un écho. En chasse, Rek'Sai juste derrière. On a encore le flash pour Pilot. Tout se passera bien. Il l'a juke la Pilot, le Retro Bang qui a été évité. On a Brain grâce au Bush. Bon travail de la part du Kyriade. Parce que là, je pense qu'avec un saut de plus, il était potentiellement mort. Oh, en tout cas, il perdait son flash. Sûr et certain. Et on récupère le dragon des océans pour les ES Ever. Très bon pick-up qui aura quand même une utilité assez limitée. Pas tellement de poke au final chez les Jhinaire qui sont plutôt rentre dedans. Ça reste quand même très acceptable pour une phase de siège. D'ailleurs, il y aura un second dragon des océans juste derrière. Donc attention, snowball. Ouais, je pense que le dragon des océans va pas mal aider notamment Crazy à faire des phases d'agression régulières en fait. Et c'est vrai qu'un écho, ça aime bien récupérer. Voilà, on va un petit peu se mettre en danger. C'est son défaut. Hein. C'est ça, et reprend un petit peu des points de vie, du mana, surtout du mana, parce que c'est vrai que c'est assez consommateur au final. C'est très mana avant quand on veut faire des roulades un petit peu partout, et quoi de meilleur que de faire une bonne phase de la sitting à coup de téléportation, auto-attaque, rétro-bang, les trois stacks. C'est vrai que c'est un plaisir de jouer Echo, un champion qui est très très mobile. J'avoue que c'est un peu moins un plaisir de jouer contre pour ma part en tout cas. C'est vrai que tu te sens un petit peu désarmé. Tu es là, mais il fait plus de dégâts, il court plus vite et il est plus tanky. Pourquoi j'ai pris champion? Enfin, expliquez-moi. Et là, c'est la détresse d'être main Kyriade. Si tu te rends compte que... Oh là là, oui. La saison 6, c'était pas amusant. Hein, non. Je vous le cache pas. Saison 6, c'est soit tu tires de très très loin, voilà, soit tu fais rien. C'est ça, c'est heureusement qu'il y a eu l'apparition du Kog'Maw. Oui. Pour essayer de sauver un peu les ardeurs des Kyriade. Heureusement qu'Azir est parti. Aussi. Parce que Azir, c'était personnellement mon cauchemar hein, favori. Bah là où j'ai eu peur, c'est le changement sur la QSS qui m'a. Oh oui. Je me suis dit à ce moment-là, c'est des Z partout. C'est fini, je vais prendre que des Z dans la tête. Mais ça va. Z n'est plus aussi plébiscité. C'est vrai qu'on préfère quand même les mages à contrôle en mid lane. Pour avoir un peu plus de wave clear. Et surtout, un impact en mid game un peu plus AOE. Très AOE d'ailleurs pour les mages qui sont mis à l'honneur en ce moment. Un petit barrel, on voit Sweet qui est en protection. Eh, on n'est pas vraiment très posé sur les deny de barrel, mais c'est pas très grave. Sweet, toujours en rotation préventive. Pendant ce temps-là, on s'occupe de l'autre côté de la map hein, pour les OSM. Les Evers, ça sont plutôt du bot side, du côté du bot side, avec Kuzan quand même qui va récupérer pas mal de farm, qui semble se partir sur un 1-3-1 du coup du côté du Jhinaire, avec une Lissandra qui pourrait vite se ramener. En flanking peut-être ce serait assez dangereux. Ouh, la décoration pour repositionner
TMTC. Le pic abyssal. Le. Ouais, le pic de puissance abyssal, certainement. Pour Lissandra, ça fait quand même un bon starter item. Mais de l'autre côté, on a un bâton séculaire. Et bâton séculaire sur Talia, c'est synonyme de cauchemar. Hein, synonyme de cauchemar. Ça en fait un pic extrêmement tanky. Surtout que derrière, on va quand même bien aimer chercher un Riley. Du coup, c'est ouais. beaucoup d'HP sur la Talia. Extrêmement solide. Qui va en plus mettre des dégâts très réguliers dans les teamfights. C'est vrai que le Q-spell a quand même un cooldown bien réduit. Mm-hmm. Ça lui permet d'aller vraiment. Et le combo. Le fameux combo. De poke parfait sous tourelle. Et attention justement pour en voir un partir, une flèche qui va toucher le réflexe de Pylon qui met son spell, si ça force le flash out quand même de sweet. La griffe. La montée de fort. La griffe out. Alors on y avait cru un petit peu à ce turn des Jinnar Greenwings. Malheureusement ils ont bien réussi à sortir de ce mauvais pas. Hein. Loken qui touche malheureusement la mauvaise cible avec sa flèche. Et on va peut-être pouvoir contrer. Oh, un point de vie. Oh oui, c'est Loken qui récupéré par Loken avec la salve. Oh, un point de vie, un le ki total. On va dire que c'était calculé pour Bless. Il voulait absolument donner ce blue buff à cette hache. Et ça va faire les affaires de ces Ever, puisque donner encore plus de CDR à une hache qui est partie sur Essence River, ça va être quelque chose d'assez favorable aux Ever qui vont pouvoir à nouveau chercher des flashs de cristal régulières. Alors, on est censé être dans le champ de tir, hein, effectivement, de Loken. C'était quand même pas trop mal visé de la part de Loken là, dans la mêlée, et réussir à toucher Pilot, même si on a eu un très très bon spell shield réflexe. Ouais. C'est vrai que c'était inespéré. C'est vrai qu'avec un Alistar devant et un Gangplank, t'as quand même 2 chances sur 3 que ton ulti serve à rien. C'est un peu compliqué, ouais. Et même sur Wings, après tout, le Gragas qui est relativement tanky pour l'instant. Quoique, il a encore que son écho runique. Il n'est pas encore à construire des HP. Mais c'est Gragas. C'est Gragas. Au pire, c'est Gragas. Il appuie sur Z, il a récupéré les points de vie et puis il n'y a pas de soucis. Et il réduit les dégâts. Voilà. Ça reste notre Gragas bien-aimé. Qui a repris justement en popularité hein, très sévèrement dans les dernières semaines. Pourtant, il n'a pas été modifié à foison, mais les autres pics, eux, l'ont été forcément. Donc, ouais, c'est ça, c'est la descente de Elise notamment voilà. qui ramène Gragas un petit peu sur le devant de la scène. Rek'Sai aussi qui. Rek'Sai un peu. Ouais, Rek'Sai qui prend cher sur le 6.15. C'est 6.14, 6.15 où le sondeur change de. Le sens tellurique. C'est 14. C'est sur 6.14, c'est sur ce patch de ci. Ouais. Qui passe à 1 seconde 25 de rafraîchissement au lieu de 0.25. Donc forcément, quand tu vois des secousses, t'es en mode, il est où maintenant? Ouais, c'est compliqué. Ça rend les choses bien plus difficiles, ça rend un petit peu, notamment le sondeur, plus obligatoire pour les Rek'Sai pour essayer de chercher quelqu'un. Faut toucher. C'est ça. Ouais, pour réussir. En fait, si tu arrives à toucher ton Q-spell, du coup, tu valides la position de l'adversaire et du coup, tu peux attendre à nouveau le prochain proc du sens tellurique, mais il faut essayer de mettre les deux un petit peu en simultané. Vu qu'en ce moment, la mobilité est à l'honneur, assez difficile, hein. Il peut y avoir beaucoup d'espace entre deux secousses. Mais pour l'instant, il n'en a pas besoin, étant donné que le map control des ESCV est quand même extrêmement solide dans le terrain où il est en train d'évoluer. Attention, par contre, Bless, là, il est vu. On a un. Ah, non, ça ne touche pas. Ah, il s'est un petit peu raté, malheureusement. 13 qui, pour l'instant, quand même fait une belle partie là. 92 CS à 107, il a légèrement du retard, mais sachant qu'on a un GP, c'est pas très grave. Surtout qu'on a le timing Trinité en même temps que l'adversaire, donc on est plutôt bon quand même du côté de Trace. Ah, c'est un bon résultat en effet. On a vu une très très bonne gestion des barils notamment. Je pense que vraiment dans le match-up GP, c'est qui va réussir à avoir le meilleur timing sur le last hit du baril. Et pour l'instant, c'est Trace qui s'en est sorti. Admirablement bien. Oh, un Alistar très intéressé par une première engage. Attention, ça reste tout de même une Talia. Bless sur le flanc, prêt à intervenir en cas de all-in. Et finalement, chacun reprend ses positions. Il y avait un bon double combo ici. On a été tenté. On n'ira pas le chercher. Ouais, on va laisser Kuzan mettre la pression sur la side lane. On rappelle que les Jinnar évoluent avec une double téléportation contre téléportation plus cleanse pour les ESC. Et forcément, c'est un bon terrain. Oh, attention, TM, les dégâts sont pas mauvais. Mais il y avait le mur quand même pour le protéger. Il a pris du coup tout le champ de mine. Ce qui aurait pu bien changer la quantité de barre de vie sur le jungler de Sejin Air. Oh, le Q-spell est plus vraiment en CD. Combo. Un petit combo. Oh là là. Oui, c'est pas mal fait. Et Pilot qui va mettre un bon spell shield là. Avant, c'était sur le sondeur. Je pense qu'il a eu peur. Ouais. T'as plus d'agression. Attention, il va y aller. Sweet toujours qui zone énormément. On sent que Alistar est une menace permanente pour les Ever. Ouais, on a des carries. C'est le plus gros danger. Hein, ouais. Des carries assez peu mobiles au final. Parce qu'une Talia en dehors de son ultimate. Le cambriolage de Wing, il va se laisser tenter.
Oh oui, oh, il a eu au baril. Il a raté son smite. Il doit tellement s'en vouloir. Il n'a même pas des cours uniques. C'était d'un baril flingué en plus de cela. Ah si, pardon, il a écho unique, excusez-moi. C'était un baril... je ne voyais même pas avoir la portée au final. C'est vrai que perdre un dragon sur en ayant le smite contre un baril simple de Gragas, parce qu'encore l'ulti, tu te dis, ok, c'était un Hail Mary, il y a été, il l'a mérité. Mais là, pour le coup, c'est, ouais, c'est un peu humiliant. Le baril full charge, effectivement, qui dérange pendant que Kiff fait la rotation sur la mid lane. Ça permet à son midlaner de back. Après, c'est pas très très grave pour les Heavers au final de perdre ce dragon de l'océan. Ça fait un stack potentiel de dragon ancestral de moins. C'est vrai. Mais comme on le disait, le dragon des océans qui n'est pas forcément un dragon majeur de cet affrontement. Là où peut-être un dragon des nuages ou un dragon infernal pourrait faire la grosse différence dans les prises de fight et les affrontements. Quand tu as deux dragons des océans, t'en as forcément un troisième. Et on ne fait pas exception à la règle, le prochain dragon sera également un dragon aquatique. Ouais, jamais 203. C'est une règle qui s'applique partout, et notamment dans League of Legends. C'est vraiment dommage hein, pour les ES Saver. Du coup, avec ce petit ascendant early mid game, s'il y avait eu d'autres dragons, ils auraient pu avoir vraiment un plan de jeu. Oh le fait, les dégâts sont bons, ça a forcé peut-être un flash out plus la griffe, l'exhaust. On ira pas plus loin. Exhaust un peu précipité peut-être, mais il manquait seulement une auto-attaque pour dévorer. Ça valait le coup de risquer. On n'a pas encore vu de décal à coup de mur de la part de Tempt. Encore un, on reste un petit peu sur notre fin. J'avoue que je suis déçu. Je suis déçu que Tempt n'ait pas forcé, notamment le moment où la Dueline des Jhin'Air était bien avancée. Mm-hmm. Ça aurait pu être quelque chose d'assez, d'assez destructeur. Mais là maintenant on a récupéré tous les summoners, hein. Même Sweet qui a perdu son flash par deux fois dans cette game, l'a récupéré. On reste dans une game traditionnellement passive avec Jhin'Air. Les West Savers qui ne tombent pas tellement dans leur jeu restent quand même très réactifs, mais ce cambriolage, on va voir les points de vie. Oh, 14 points de vie. Pendant 0,5 secondes. Il n'en fallait pas plus pour Wind. Il a vu le smite qui part, le dragon qui ne meurt pas, on fait péter le baril instantanément. Le fût roulant du Gragas qui surprend et qui permet de récupérer du coup ce dragon. Alors, Ultimate Rek'Sai sur le top side. Maintenant, on est en phase de confrontation du Baron Ashor ayant dépassé la 20ème minute. Sweet à nouveau peut-être pour un fait check. Non, on n'ira pas le chercher. Le Lister qui n'était pas trop protégé la part son équipe. Donc, même s'il arrive à mettre les contrôles, il n'y avait pas forcément de follow-up du côté de Jhin'Air. Et les Heavers qui cherchent toujours la faille dans la défense Jhin'Air. Il va falloir quand même partir à l'agression du côté des Heavers parce que je pense que les Jhin'Air sont meilleurs sur le late game. Sur le Turtle, oui, sur le Turtle et le late game bien sûr, hein, s'il vient plus Gangplank, ça fait énormément de dégâts. Et pour le coup, Nitalia, je pense qu'elle perd un petit peu de sa superbe en fin de partie. Ouais, ça perd un petit peu effectivement. Là où Lissandra fait peut-être moins de dégâts, moins de capacité de one-shot, par contre, a toujours cette capacité de contrôle assez énorme quand même sur une équipe qui peut permettre notamment un GP de setup des barils sur plusieurs cibles. Après, tout dépend de la qualité de la Talia, bien sûr, si elle touche tous les combos. Mais ce n'est pas elle. Ouais, Tempt là, ça sera raté, c'est eux. Pas de... pas de bomb sur Wing qui va du coup repartir dans sa jungle. On a un petit peu de farm à récupérer, notamment les Krugs qui sont réapparus. Et on va aller chercher directement avec le Gragas. Ouais, on a un très très bon format quand même en faveur des Jhin'Air Green Wings ici. On sent que la double téléportation gêne un petit peu sur la gestion des side lanes. En tout cas pour le moment, Kuzan qui arrive toujours à trouver des lanes entières et maintient quand même un taux de farm assez élevé. Toujours la même situation entre Gangplank et Echo. Toujours un petit avantage pour Echo mais qui reste occulté par l'extraordinaire génération de gold de Gangplank. Et pour les junglers, bah écoutez... toujours avantage Rek'Sai, mais c'est tout à fait normal avec une hydre titanesque réalisée extrêmement tôt quand même dans le build. Ah, c'est vrai qu'il a déjà fini, il a même son Cinder Hulk. Ouais. Donc là, il est plutôt bien quand même, Blast, dans sa game. 29 minutes de jeu, très item, le Wall, juste comme on en parlait, qui a bloqué Pilot, ça force le flash out de Pilot, le voyage abyssal, on n'ira pas le chercher malheureusement, qui peut-être aurait préféré aller un peu plus bas dans la jungle. Une agression qui a été tentée du côté des Ever. La flèche de cristal par contre qui a été conservée, est-ce qu'on pourrait peut-être chercher quelqu'un crazy qui va
pour sortir. C'est un Ico, c'est quand même dur à attraper. Oh les dégâts, le peut-être la réaction de la part de Sweet. Et directement dévoration, du coup pas plus de peur que de mal. Oui, qui va prendre une flèche de cristal. Bless, dégâts sur Bless, l'Ignite. Ça ne suffira pas. Oh, complètement fou, les réflexes de qui sont herculéens. Au moment précis où on a eu le flash atomisation. Et non, il n'y avait déjà plus personne à stun. D'autre côté, oui, effectivement, Bless qui a vu la lumière au bout du tunnel, mais qui reste quand même safe. Avec la défense des Djinnéens, hein, comme toujours. Notamment la réaction de Sweet au moment où il prend le bump, il n'hésite pas, c'est directement. C'est il outplay, mais il se refait outplay derrière, donc il re-outplay. Enfin, ouais, c'est vraiment une guerre de réflexes entre les joueurs. Ça joue à rien du tout. Il fallait voir le réflexe quand même. Sur le bump, se dire je vais mettre force indomptable, le flash et l'atomisation. Mm. Et il faut avoir le réflexe derrière pour qui de se dire il va mettre la force indomptable, le flash et l'atomisation, je vais devoir manger mon mid laner. Après, ça va en tant que Tahm Kench. T'as pas grand chose à faire en fait dans ce genre de phase là. Il faut juste placer ta souris sur le poteau. T'essayes de lécher 2-3 mecs vite fait, mais ça s'arrête vraiment là. Enfin, tu es un bouclier de viande. Michi. Qui attend Sweet à nouveau. Non, il va être repéré avec le boost trinket. Et troisième dragon de sang du coup qui va être engagé par les Ever. Les dégâts sur Wing sont pas mauvais. Ça ne suffira pas, on va disengage. 24 minutes de jeu, toujours pas de first blood. Et non. Pour l'instant, les Djinnéens qui se mettent. À l'avantage en termes de gold, simplement sur du farming au final. La flèche sur Alistar. Il appuie la force indomptable sur Sweet. Le combo. Le buff est bon, il va tomber. First blood récupéré, je vais en parler pour Tempt. Est-ce que ce serait peut-être une ouverture de la mid lane? Ce sera intéressant là pour les Ever de récupérer cette tour. C'est tout ce qu'il leur faut, hein, une ouverture sur la mid lane pour pouvoir faire des décalages sur toutes les lignes adjacentes. Un grand coup de flèche. Mais ici, c'est. Vraiment une grande illusion, je pense, entre le wave clear de Lissandra, celui de Sivir, celui de GP. Ouais, j'espère qu'on ait réellement accès à quelques tours que ce soit. Du coup, du côté de Crazy, on essaie de trouver la solution ailleurs, dans le speed push notamment. Mais bon, toujours pareil, hein. Voilà, Trace qui a énormément de wave clear. C'est vrai que toute la composition des Djinnéens a quand même cette force de dépush qui va énormément gêner la phase de siège des Ever, qui n'est pourtant pas mauvaise, parce que une Thalia, ça a quand même pas mal de pression derrière une tour. Ah, c'est très très bon avec les stand range pour mettre des dégâts sur les tours. Bien protégé par un Tahm Kench, il peut se permettre même de s'avancer un petit peu, mettre une auto-attaque. Oh, attention, tombeau de glace. Le tombeau de glace ne suffira pas. Par contre, le feu explosif sur Tahm, ça va forcer le flash out. Cette Thalia est double TP. Bizarre. Un TP bizarre qui n'a même pas été annulé. Trace ici avec une intervention des plus discutables. Ouais, Crazy a fait pareil. J'avoue que je suis sceptique. Sur le choix des deux solo laners là. Disons qu'il fallait bien quelqu'un pour wave clear. C'est ça. Parce que là, grosso modo, en fait, Trace il a TP mid et il est retourné bot, hein, finalement. Donc, et une fois qu'il est arrivé bot, il a back. Donc du coup, c'est genre. Ça fait 40 secondes de rien. Tu as perdu une minute de ta vie. C'est ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pas fou comme move. Hein. On a vu plus rentable pour comme TP effectivement. Ah oui, c'était un peu spécial. Après, il est bien là quand même, Trace. Il a sa Yumule complétée, plus la Trinité. Il commence à aller s'orienter vers sa Malmortius. Et on va avoir un GP qui va commencer à mettre quelques dégâts. Qui s'est un petit peu proc. Le wall de la Thalia pour protéger la tour. Denied. C'est bien vu. Très très denied. Bien vu. Il y a un combo que j'attends avec impatience. Tout comme il y avait un combo en début de saison 6 que j'attendais avec impatience. Alors en début de saison 6, c'était Corki Rumble. Ce que je me disais, oui. Tu poses la Valkyrie, tu poses l'Equalizer. Le mec défend pas sa tour. Parce que déjà, elle brûle. Et puis lui aussi va brûler pour le coup, donc il a pas vraiment le choix. Mais si tu alignes le mur de Thalia avec un ulti de Rumble, ça peut être vachement sympa. Ouais, moi j'ai envie de voir aussi des ulti Thalia avec ulti de Gnar. De Gnar, bien sûr. Ça fait ça rend toujours du rêve. Ce serait peut-être beaucoup plus viable d'ailleurs. Ouais, y a moyen. Y a moyen. Ouh la griffe pour essayer d'empêcher le back de Crazy. Est-ce qu'on peut prendre la tour? Il manque quelques auto-attaques. Dommage pour Pilot, on n'ira pas jusqu'au bout. Mais le dégât a été fait quand même sur la tour en mid lane là pour les Djinnéens, on pourrait vite la récupérer. Et le wave clear toujours aussi puissant de Pilot. Ça va être tellement dur pour les Ever de composer avec autant de dépush. Absolument infâme. T'as de bless pour pas mal de choses. Crazy qui va se faire oh là là. Pendant ton mot de glace, trop de contrôle. Crazy qui n'aura pas le temps d'appuyer sur R et qui va se faire détruire. Un kill partout et la tour récupérée. Les Djinnéens qui remettent les pendules à l'heure et qui expliquent un petit peu au SEVR que on ne prend pas les Djinnéens. Un contre-pied notamment en termes de défense de tour. Ah, on s'est légèrement surestimé ici, hein, sur ce mouvement.
Surtout qu'on n'a pas de, on n'a pas de ténacité. Donc sans ténacité, évidemment, le tombeau de glace de Lissandra, ainsi que le... Ouh là là, l'anneau de glace dure très longtemps. La roue qui touchera seulement Winged. Sur est-ce qu'on a un bump peut-être? Non, il n'y avait pas le contre. Le scellé sur tête. Ça force le back de ses Jean Air. On a utilisé quand même la fièvre de cristal. Du coup, on ne pourra pas forcément aller les follow-up. Du côté des serveurs, du coup, on va être obligé de simplement récupérer les waves. Essayer peut-être de décentrer le jeu. Peut-être les rapprocher plus du côté de la partie de map de Dejin Air, ce serait intéressant. C'est intéressant en effet, mais après c'est quand même assez étonnant que le Baron Nashor ne soit pas vraiment une priorité pour les deux équipes actuellement, si on en croit en tout cas la vision qui a été posée autour. Ouais, bah, peut-être sommes-nous plus intéressés par un Dragon Infernal. Peut-être, après on a quand même du dégât à montrer, notamment sur le Nashor. Du côté des Ever avec la Trinité de Crazy, on a une hache qui dépasse quand même très très bien sur les objectifs. Peut-être à ce moment de la partie qui est loin d'être négligeable aussi. On a vu hein, notamment des Talia qui tournent tout autour du Nashor pour avoir les Warcraft grind au maximum en fait. Ça. On ne peut pas avoir de Q-spell réduit. C'est vrai que cette mécanique-là, elle est marrante dans un sens, mais je la trouve un peu bizarre en fait. Tu marques le sol, du coup tu peux plus lancer autant de cailloux, mais tu vas plus vite. Du coup ton spell il coûte moins de mana, mais il fait qu'un seul projectile. C'est très spécial. C'est assez étrange en fait de voir, parce que finalement c'est quand même un malus au final pour la Talia de manière générale. Et c'est vrai que c'est assez étrange que ton spell principal t'apporte un malus, même si ça explique aussi pourquoi est-ce que le spell est aussi puissant sans ça. Mais j'avoue que je trouve le design assez étrange d'avoir cette mécanique. J'ai un peu le sentiment que c'est une fausse bonne idée en fait. C'est ça. Ouais. Bon après heureusement elle a d'autres mécaniques qui sont beaucoup plus marrantes. Bah c'est ce champ de mine notamment que je trouve particulièrement intéressant. On voit de plus en plus Riot qui fait des efforts pour essayer de punir les personnages à dash. Avec les miasmes de la Cassio, avec ce champ de mine, beaucoup d'éléments comme ça qui empêchent les dash. On a eu le mur de Azir aussi. C'est vrai que jusqu'à présent la mobilité est tellement mise. C'est la clé. Ouais. C'est la clé de toutes les compositions. Hein. Je pense que la mode d'aujourd'hui parle d'elle-même. Mobilité et force d'engage. D'ailleurs avec le prochain champion Kled, on risque d'avoir des combos très sympas. En termes d'engage effectivement, c'est intéressant. Oui. Le roulé-bouli. Moi j'attends vraiment de voir le combo clé des Karim qui va être beaucoup trop drôle. Avec le Karim qui arrive en premier. Surtout qu'avec le pouf de Mouspi qui récupère, le Karim va arriver à avoir 1200 AD, tu sais. Oui. Il va mettre un E, il va one-shot quelqu'un. Tu sais, il va one-shot le Maokai sous ultimate avec 4000 HP, il n'y a pas de soucis, tu vois, c'est pas grave. Et sous ulti Taric. Ça il meurt pas. Attention, téléporte. La contestation sur ce dragon infernal est réelle. Oh, attention, le mur qui a complètement bloqué Pilot, j'ai l'impression. On a fait sur Kuzan qui est complètement bloqué ici, ça force Anzonia. Très très tôt, flash in l'exhaust, mis sur le cœur, lequel qui va pouvoir flash out. Ça permet suffisamment de dégâts, c'est compliqué pour le combo. H. C'est bien fait par contre de la part de tête, les dégâts sont bons. Le dragon par contre infernal qui va être récupéré par les Jin Air. Et la convergence, est-ce qu'on peut mettre suffisamment de slow, c'est compliqué. Et le bait au flash sur le dash d'Echo. Qui l'a mis dans une très mauvaise situation, forcément forçant le chrono shift instantané. Ça fait du 1 pour 0 avec Dragon Infernal, comme tu l'as dit. Kuzan qui se sacrifie. Mais encore une fois, une bonne note hein, vraiment pour le mur de Tempt qui aura bloqué Pilot durant les premières secondes du combat. Attention, le baril qui touche, le score but également. Est-ce qu'on a assez de vitesse de déplacement véritablement? Tempt en embuscade, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est vrai que c'est assez étonnant la manière dont les Ever utilisent le wall de Talia. C'est moins pour faire décaler cette Talia que pour s'assurer des objectifs, on l'a vu, notamment sur la prise de la T1. Forcer les fights en fait, c'est j'ai l'impression. Hein. Ou en tout cas empêcher l'adversaire de pouvoir prendre cette fight dans le cas de la T1. Là ici c'était plus effectivement essayer de les bloquer dans l'interface, dans l'interstice pardon. C'est ça qui va toucher sur Sweet, les dégâts sont bons. Le bump sur deux personnes, c'est pas mal fait de la part de Tem. Ah, ce tapeur qui va se faire ramener, il est un petit peu dans la difficulté, mais bon, arrive et le flash est de Blaze. Crazy qui va prendre un petit peu de dégâts là, on va prendre le kill quand même. Le bump sur Wing, est-ce que ça peut se faire fuir? Oui, Tem qui va prendre le kill, mais ça va être pour la vie de son jungler. 2 pour 1 à l'avantage des Jin Air. Attention à cette Talia, mais encore une fois, Kuzan. Qui nous montre pourquoi cette Lissandra n'est bien qu'entre ses mains. Alors vraiment une science de langage.
qui est assez folle. Gros travail de Kudal sur ce Team Fight. On va revoir ici justement. On voit qu'un couloir, déjà, c'est pas vraiment un scénario très agréable à vivre hein, pour les US Saver. Mais Talia s'en sort relativement bien. Il y a une zone de convergence qui gêne beaucoup. Mais voilà, Kuzan a déjà fait son travail. Une grosse erreur de la part de Loken. On voit la griffe. Et il va s'emballer, j'ai envie de dire, dans la griffe de Kuzan. D'ailleurs, il se fait one shot. C'est un problème récurrent contre les Lissandra Cyborg. C'est qu'en teamfight, la griffe de couleur verte, ouais, tu ne la vois pas. C'est un des reproches que je peux faire au skin project ou cyborg, toute cette phase un petit peu high tech des skins pardon de Riot, c'est que je trouve qu'en termes de FX ils sont bien moins clairs. Les effets de particules sont beaucoup plus discrets, hein, ouais, notamment par exemple sur le skin de H. La flèche est invisible, on est d'accord. La flèche et le faucon, c'est la même chose. Mais oui. Tu sais pas si elle te scoute ou elle va te stun. Tu le sais pas. Très délicat. C'est une flèche, mais il n'y a pas de cristal, il n'y a pas la forme d'une flèche. C'est un trait bleu. C'est ça. Ouais, c'est un trait bleu, tu te dis, mais c'est quoi, c'est cool, c'est bleu, c'est positif, non? On dirait un. Tu sais, le spell flux de Ezreal en plus gros. Oui. Tu dis, il va te donner de l'attaque speed. Très clairement. Merci de me donner de l'attaque speed. Merci. C'est quoi, je stun? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien urbain. Comment ça, il y a un pigeon hélicoptère au-dessus de moi? Je suis tout à fait d'accord là-dessus, c'est un petit peu comme les trick cards de Twisted Fate Underworld qui étaient transparentes. Est-ce qu'on pourrait aller chercher Trace, peut-être le bump qui va toucher avec l'arrivée de Crazy, ça force le flash juste à la fin du wall, la convergence qui ne suffira pas, on a la Yumi pour disengage. Par contre, donc, ça n'a pas beaucoup de temps ordinaire pour aller faire ce lasher peut-être. Donc plan court beaucoup trop vite pour être vulnérable sur ce genre de petites agressions. C'est vrai qu'en plus de ça, Tem, t'as été très timide d'ailleurs sur le decal, mais... Ouais, il a pas été jusqu'au bout. Il a juste mis un bump et pas un combo entier. Ça aurait peut-être pu inquiéter un peu plus Trace, mais en soi on a récupéré le flash donc... Mission accomplie. Même si pas à 100%. Ouais, après on a un flash, on est à 35 minutes de jeu, est-ce que ça va vraiment être déterminant pour les Jhin Air? La mienne nous le dira. Mais j'avoue que je pense pas qu'un GP soit si dépendant de son flash. Non. Que ça, alors que par exemple du côté de Winged ou du Alistar de Sweet, ça va être un summoner très très important pour réussir à forcer l'engage et aller fixer les fights face à des Evers qui peuvent quand même rapidement se montrer évasifs. C'est un petit peu le principe hein, de leur support en tout cas, au minimum, ainsi que leur top laner. De quoi avoir un bon côté d'ing... Oh là là, un bon côté. Qu'est-ce que. Il a déjà le Void Staff avec sa Talia, 342 CS, 3-0. Ah. À quel moment est-ce que Tem t'es aussi fed? J'avoue, c'est vrai qu'on l'a pas fait monter en puissance. Je l'ai pas du tout vu en fait. C'est juste qu'il a récupéré les 3 kills de son équipe. Je finissais ma phrase, j'étais en train de réfléchir à la prochaine en mode de quoi je vais parler. Et je vois Riley, Abyssal, ROA, Void Staff, attention, téléporte sur le side. C'est Kuzan avec Alissandra qui est sur le flanc, qui se fait discret, qui a été vu. Finalement, le mouvement qui va être avorté. Il allait être reçu par la convergence. C'était très dangereux de mettre une griffe là. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est Talia pilotée par Tempt, pardon. Oh, le flanky peut-être. Est-ce que les Jhin Air peuvent aller chercher ces EVR? Il va falloir bien se positionner là. Attention, l'ultimate positionné sur Bless qui va être amené du coup. Bless, les dégâts sont bons. Il est bloqué. Il va tomber peut-être. Il va tomber. Oh, la convergence. Pas Kuzan. Les dégâts sont bons par contre. Par contre, le travail est bien fait. Mais Leken ne peut pas se permettre de s'avancer pour mettre du DPS. Et ça va permettre de récupérer la vie du jungler. Et qui dit 35 minutes de jeu, 36 minutes de jeu, même maintenant 37 minutes de jeu. Un jungler de moins, ça veut dire un smite de moins, ça veut dire un hacheur potentiel. Un hacheur potentiel très probable, mais vu la situation à laquelle font face les Jhin Air avec toujours un Loken très actif, un Tempt qui est plein de vie et plein de mana et plein d'objets offensifs d'ailleurs. Je pense qu'un Colbaron évidemment... serait beaucoup trop risqué, on rappelle, hein, y a beaucoup d'enjeux pour les ESC ici, tout comme les Jhin Air. Évidemment, peut-être un peu plus du côté du rookie, en quelque sorte, si on vient comparer les deux line-up. On va dire du challenge. Du côté des Evers, effectivement, il faut absolument aller chercher ce 2-0. Oh là, on sentait la frustration de Crazy de voir que Crypt n'avait pas pris cette tour, il fait bon, c'est bon. Combien de fois est-ce arrivé? Bien trop souvent. Je vais m'en occuper. Et du coup, ce sera une quatrième tour récupérée par les Ever. On reste quand même dans une relative égalité hein, entre les deux équipes. 200 gold même de différence. C'est pas grand chose. Ils ont pas bougé depuis tout à l'heure. Comment ça se passe? Il aime bien ce bush. Il aime bien, on est bien.
Tu sais, ils ont ramené le petit appareil à raclette, on s'est mis bien, le réchaud. On a quitté les ginaires dans ce buisson, on est parti voir Echo, on est revenu, il n'en manquait aucun. Tu sais, sur la tente Quechua là, qui s'est plié rapidement. Du coup, c'est bien. Je t'invoque, frisbee. Hop là. Non, ils étaient autour d'un Pokéstop tranquillement posé. Ah, c'est pour ça. C'est vrai que dans la fête de l'avocat, je pense qu'il y a des Pokéstops très intéressants à récupérer. Ah, bah, il y a le Pokéstop du Baron hein, qui, justement, tu te mets entre les deux. T'as le Red Buff aussi. Ah, tu poses de l'heure ici, t'es archi bien. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et il paraît que après 100 Red Buff récupérés, tu as peut-être un dragon infernal. L'évolution hein, du Red Buff, évidemment. Presque les deux sont rouges. Un dragon feu. Le dragon feu. Dragon feu. T'imagines si le dragon infernal comme ça, tu pouvais avoir des bonus, il te mettait le red buff en plus. C'est un peu le dragon. Ce serait pas mal en vrai. Bah en fait, Mordekaiser peut le faire, puisque s'il arrive à récupérer un dragon des océans par exemple, il peut avoir un slow. Slow de zone, qui est loin d'être négligeable sur les phases de siège. C'est pas trop mal, hein, effectivement. Et dragon des montagnes aussi, très sympa. Ouais. Bonjour, mon dragon est le plus fort. c'est le king des dragons. Tu veux même faire pareil avec le dragon ancestral, qui est quand même plutôt solide. Est-ce que t'as déjà essayé de tuer le red buff avec ton dragon? Ah non. Pour donner le red buff à ton dragon. Et après, c'est parti. C'est-à-dire que tu envoies le truc, tu lui fais shift-click vers le Nexus et tu vois combien il y a de mecs qui meurent. C'est ça. Tu la joues un peu proto sur la Starcraft, tu sais. Exactement. Un clic dans la base adverse, c'est bon, c'est gagné. Attention, on l'engage sur le flanc de la part de Winged. On n'a pas de cible désirable. On va donc se contenter d'un petit coup de nombril. Les anges gardiens qui commencent à faire leur apparition. Déjà un pour Gragas, un à venir pour Echo au prochain bac normalement. Et les SAVR ainsi que les Jiner qui contemplent ce Baron Ashore de loin. Mais personne n'ose vraiment l'engager. On a un petit peu l'impression de voir attention. En blesse. Oh, quoi qu'il prend le crit ici. Bon. 500 points de dégâts. Vu les points de vie de cette Rek'Sai, c'est pas très grave. C'est moins impressionnant qu'avant GP quand même. Hein. Ça fait moins mal parce qu'en fait c'est plus efficace sur le mid game avec le build à base de pénétration physique, mais c'est vrai que rendez-moi le crit. Comme t'as pu voilà les crits majeurs qui sont plus sur la Trinité, du coup tu peux moins te permettre de build énormément de crit. Après, notez d'ailleurs ce GP qui est certes bien en termes de pénétration physique, par contre il n'y a pas énormément d'AD au final. Non. Effectivement, il est plutôt limité à ce niveau-là puisqu'on a privilégié la Malmortius à la Draktar. Donc forcément on en pâtit un petit peu. Mais peut-on le blâmer hein, d'avoir voulu réaliser la Malmortius vu l'ampleur de la Talia de Tempt qui cherche encore hein, son premier teamfight à 100%. On a d'ailleurs pour le last build, pour le last item, on aura une coiffe de Rabadon, donc pas de Riley, pas de Riley Liandry. Surtout c'est un petit peu dommage, l'engage au Talisman de l'Ascension, combo loupé et sans grande conséquence. La guerre du map control hein, principalement qui a lieu ici. Attention, traverser des abysses. Tamkench était un petit peu loin, on se repositionne devant la tourelle de tier 2. Avec le bien attention au baril. Il va falloir wave clear du côté de Saver et défendre. On a un petit peu l'impression de voir le remake du BO précédent entre les deux équipes avec une première game qui avait duré quasiment une heure. Les games suivantes avaient été bien plus expéditives, mais c'est vrai que là on sent les deux équipes se cherchent énormément avec des midlaners vraiment très orientés sur du mid-game. Ça risque de rendre les choses bien difficiles sur la suite de la partie. Notamment en termes d'engage, qui va être capable de prendre la décision? Mais oui, parce que il restait encore un petit peu de charbon. Du coup, ils n'avaient pas fini leur barbecue. Alors... Ah, t'as pas éteint le feu, quoi, merde. C'est ouf. Le bush préféré. Mais Jiner, ça fait 3 ans maintenant. Faut changer de strat. En vrai, faut changer de strat, mais elle marche toujours, celle-là. Donc, à un moment ou un autre, il y en a un qui va faire check. Ou qui va essayer de poser une ward. C'est obligatoire. Seulement, le problème, c'est qu'en 2016, on a des champions qui peuvent scout les buissons, hein, généralement. Oui, c'est ce qui va arriver, là, justement. C'est le petit faucon qui arrive et qui ruine. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué pour les Jiner. On n'arrive pas à trouver la solution pour aller chercher l'agression. On reste, au final, bien positionné sur le milieu de la carte. Aucune des équipes n'ose s'avancer dans la partie de carte adverse. Et ça pose quelques problèmes, notamment en termes de map control, on le voit, hein, les jungles qui sont laissés complètement à nu. On va simplement essayer de sécuriser la vision autour de la rivière. Et ça va poser beaucoup de problèmes sur les rotations et sur les flankings potentiels. Aucune des deux équipes ne peut se permettre
de s'avancer dans le pire d'avoir un flanking ou de tenter de flanking, de peur de se faire recevoir. Trop d'engage des deux côtés. Hein. On pensait avoir une game très dynamique avec beaucoup de rentres dedans. Mais finalement, vu que les deux équipes ont de quoi rentrer dans l'autre, personne ne fait le premier pas pour ne pas subir la contre-attaque. Cruelle ironie que nous subissons. Mais attention, c'est terminé ici. On va devoir utiliser l'ultimate au niveau du Alistar de Sweet. Et non, finalement, on le retient. On a parfaitement confiance en sa tankiness. Et c'est pas mal fait, je pense, de la part de Sweet. Parce que perdre la volonté de faire maintenant, ça pourrait être assez catastrophique. C'est l'élément clé de Sweet qui lui permettra de survivre en teamfight. Autrement, ce sera une cible de choix. Qui d'ailleurs va pas arriver à faire grand-chose, hein, vu la dose de kiting qu'on a également dans l'équipe Sever, Milchner, enfin, ouais, voilà, le flash, exactement. Le flash, complètement attrapé, le one-shot. Ça paye toujours. Ça coûte des flashs. Loken. Loken qui était complètement perdu, qui n'était pas en position pour aller le dévorer. Et c'est un kill récupéré, je pense qu'on peut aller chercher cette T2 du coup. En même temps, la portée d'engage des Jiner, qui était assez folle. Hein. Win qui a été cherché très loin. Ah, le coup de bidon flashé qui fait toujours son petit effet. Et voilà le fond de commerce des Jiner Green Wings. On pousse la game au-delà de 40 minutes, on cache un petit bolos un petit peu isolé, en mettant un bon gros lead de 4 flashs. C'est la game, on finit. Et on push. Voilà. Après on a l'inhib, et quand on a l'inhib, c'est cool de faire le Nash. C'est vraiment typical Monte Cristo style. Exactement. Côté Jiner. Ça marche. On cherche pas trop l'agression, on va prendre énormément d'objectifs. Et si la game commence à stagner, ben on prend voilà un petit catch. Ce sont des opportunistes. Ils ont bien raison. Et voilà, les opportunistes frappent à nouveau. On va tous se foutre dans le buisson ou attendre tout simplement le pigeon. Et on va certainement pas prendre le risque d'engager un baron Nashor. Voilà. Et une nouvelle récolte ici, tombeau de glace. Heureusement, il y avait un Tam Catch. Attention à Tam qui est très bien positionné sur le flanc. Oh, les dégâts sur Kiki. Oui, le crit de Pilot qui va suivre ce flash. Du coup, ça force le flash out de Tam qui pourrait se faire attraper par Wing. Attention, par contre, les dégâts peuvent être très très bons de la part de cette Alia. Les barils qui vont pouvoir permettre de disengage. Et à mon avis, on va s'offrir le baron maintenant. Un Nashor, quoique. Est-ce que ce serait pas trop dangereux? Bah non, rien, attends. D'aller chercher ce Nashor. On n'est pas à 110%. Ah ouais. Donc, je veux dire, si l'équipe adverse a la vision, on ne peut pas faire de Nashor. C'est une règle élémentaire, enfin. Ouais, et comme ils ont une hache, bah, ils auront tout le temps la vision. Du coup, on fait jamais de Nashor. Voilà. Ou alors, faut tuer la hache. Et le jungler. Et le jungler. Et le trap après. Voilà. On sait jamais. Hein, imaginez ce qui pourrait se passer. Ils sont trop mignons, les Jiner. Trop, trop mignons. C'est incroyable comme style de jeu. Aucun risque. Zéro. On ne prend pas de risque. Moi, je pense que les Jiner seraient très confortablement installés en NA, par exemple, avec ce style de jeu. Ils rendraient dingue tout le monde. Ah, ils pourraient. Je pense qu'ils seraient premiers du. Oui, ils seraient premiers, je pense, si. Parce que les TSM Immortal, ils s'empaleraient contre eux. Ouais. Tout comme les SKT s'empalent à chaque fois. À chaque fois. Honnêtement, la pire chose qui puisse arriver à SK Telecom, c'est d'avoir Jiner en Worlds. Tu vois, en BO5. En mode full panique. Ça, ils ont la portée préjudice, ouais. Ils ont 6 vir GP Zix mid. Les gars, on fait comment? La game, elle dure 4 heures mini. Avec une Anivia support en plus. C'est genre. Ah mon dieu. Que faire? Mais on sait déjà qu'il y a eu la défense. Oh, ouais, c'est extrêmement dangereux. Heureusement, il y a encore la roulade. Mais on se souvient de la défense aux Easy Rot de Fnatic. Là, Jiner, ils font ça niveau 2. Ils s'en foutent. Le rush Easy Rot. C'est ce qu'il fait sur les Maokai maintenant, le rendu mis en place. Ah, en Chine, ouais. Bon, attention, par contre, l'ultimate de GP qui est pas trop mal pour essayer de ralentir un peu la progression des Jiner. Là, peut-être. Il n'a pas osé. On a eu peur, il y avait la réception de Bless potentiellement. Vu qu'on n'a pas été jusqu'au bout. C'est vrai que contre les Jiner, il n'y a que les Rock Tiger qui arrivent à être incisifs suffisamment puissamment. Mais c'est parce que c'est SMEP, ça. Ouais, c'est parce qu'il y a cette composition un petit peu double AP qui met des engages tellement puissantes. Ce même Epinote qui, la main dans la main, écrase totalement leur match-up sur la majorité des rencontres. Enfin, des rencontres déséquilibrées en termes de classement. On voit beaucoup de dégâts qui sont échangés. Avec les géants en plus. Le top laner qui vient de se faire éclater par le jungler, hein, donc, qui est bless, qui a peut-être un petit peu trop loin ici sur l'implémentation de CC. On a des dégâts d'un angel en plus. Oh, le mur! Le mur!
peut-être. Heureusement que le GP est de ce côté-là pour Cousins, c'est extrêmement difficile. Mais attention au barrel, ça va, on a réussi à le contrôler. La griffe out, on est sorti de ce mauvais pas. Et de l'autre côté, Crazy. Crazy qui est coincé par le videur Gragas. Ouais, Wing qui empêche totalement Crazy d'entrer dans la mêlée. Et c'est dommage, je pense que Crazy il aimerait bien quand même pouvoir se balader un petit peu dans la backlane là. Mettre quelques rétro-bang, un petit coup de passif par-ci par-là, et surtout beaucoup d'auto-attaque avec Infinité. Malheureusement, ça ne passera pas. Énorme blocage. C'est le problème d'un écho, quoi, c'est que t'as les baskets et du coup tu rentres pas, quoi. Ah, tu ne peux pas rentrer. Quand t'as un bavarou en videur, bah, tu peux pas rentrer. Va mettre un fut déjà. Ouais, c'est pas possible. Ou en tout cas, mets des bretelles. mets des bretelles, fais comme Gragas. Mets des bretelles et une petite chemise manche courte. Très sexy en ce moment. Ah oui, la chemisette. Nous avons 515 CS pour Pyle. Ce qui est assez massif. Bon, après, vu le timing de la game. Quel qu'argent. C'est quand même plutôt pas mal, hein, à la 48ème, d'avoir toujours un plus de 10 farms par minute. Mais c'est nettement moins impressionnant quand on sait que tu es civil. Pour le coup. Tu vas récupérer toutes les waves, effectivement. Oh, okay. Qui va se faire attraper. Est-ce qu'on aura le temps de mettre la poudre? Non, wow. Pas le temps. Les CC sont trop majeurs, il va se faire tuer en l'air. Par contre, attention, Swing qui prend quelques dégâts, ça force la volonté de faire. Là, c'est compliqué. À 4v5, sans flèche de cristal. Ça rend les choses bien plus difficiles pour les Evers. Mais ce qui est marrant, tout ça, c'est que la mort du support ne va rien débloquer. Donc on va rester ici, sagement. Et la transition peut-être sur la top lane pour les Ginger Green Wings, sur la T2. Une petite vague intéressante qui a fait son apparition. Mais voilà, le bait continue. Ça fait maintenant 7 minutes que nous sommes ici. Ouais, mais ils ont changé de bush. Ils ont changé de bush. Maintenant, c'est plus dans le pit du Nashor plutôt. C'est, ils avaient... En fait, ils voulaient avoir un petit peu de compagnie, quoi. Parce que c'est vrai que dans ce push-là, quand c'est la mid lane, bah, t'es un petit peu que entre, t'es que entre joueurs, c'est moins rigolo. Après, que le Nashor en plus, voilà. Ça apporte une histoire supplémentaire, quoi. Allez, on récupère le red buff. La transition sur le top side est un petit peu tardive. Mais on va y aller directement au Bavarois. C'est tanké, c'est assassiné, c'est tombé. Et c'est la 6ème tour pour Jiner. Limiteur qui lève du côté des Ever, du coup on va comme moins subir la pression des Mega Sbires. Pression qu'on n'avait d'ailleurs pas vraiment vue. Du côté des Ever, on a quand même pas mal de wave clear. C'est vrai qu'une Talia contre les Mega Sbires, c'est très très puissant au final. Très puissant en effet. Talia Tamkench. Ouais. Plutôt pas mal du tout. Et voilà, le sondeur qui fait tomber le plan du piège numéro 27B à l'eau. On va passer au plan 27C maintenant. Il s'agit de ce bush en mid-lane. Il s'agit du premier buisson. La version alternative cette fois-ci, c'est Alistar qui a le hublot. Heureusement pour lui. Et voilà, bien sûr, on retire toutes les wards hein, dès qu'elles sont posées. Plan 27D maintenant. C'est c'est l'ordre 66, Tech. On va le tenter, ça a été cancel. Il y avait une bonne défense de la part des Wookiees. Et finalement, non, c'est bon, c'est parti pour les Jiner, le Nashor qui commence à être envoyé, un nouveau faucon de la part de Loken. Mais Jabby Dive quand même sur le Nashor là, est-ce que ça peut continuer éventuellement? Kuzan qui va zoner Bless. Kuzan qui a une bonne trajectoire ici, une très bonne trajectoire. Le wing peut-être, le oh, de la part de Sweet, les dégâts sont bons sur Temp qui va se faire dévorer par qui? Est-ce qu'on peut disengage peut-être? C'est compliqué pour Temp qui va tomber, double kill récupéré par Pilot. Kuzan est un véritable artiste. Par contre, Loken, les dégâts sur Loken sont très bons. Oui, le kill récupéré sur la décarie de ces Ever et Jiner qui peut faire la différence. 2 kills à 3. Il y a été Kuzan, il a forcé l'ange gardien sur Echo. Est-ce qu'il aura suffisamment de dégâts pour en venir à bout? Pendant ce temps, la blesse qui est chassée par Winged et qui est plus ou moins rattrapé. Kragas devrait pouvoir reprendre l'avantage. Oh, les loups qui interceptent le body slam. Il n'ira pas plus loin, du coup c'est compliqué. Ah non. Mais il y en a encore un autre. Il y a un bureau. Et il y a toujours un fût. Un slow. Mais il y a un tunnel. Mais il y a toujours un... Oh, Duke to death. Et l'ultirex side, peace out. Et l'autre outplay de l'autre côté de la map. Ah, il ne court pas assez vite. Le passif a fade. La Kuzan qui rend l'appareil. Ah, c'est Ever. Bless qui joue, Kuzan qui joue. Énorme. Mettez-nous la musique de Benny Hill sur cette phase de jeu. Mais 50 minutes pour ça, mais on attend tous les jours, Jiner, on attend tous les jours. Waouh. J'ai envie d'avoir le replay juste pour pouvoir faire tout, 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 incroyable, on a exactement le même play de chaque côté. Avec une griffe, on brain avec le flash, on bait complètement le déplacement adversaire.
Je pense que Kuzan a beaucoup plus serré les fesses quand même. C'était plus difficile. Il est à une auto près. Mais là pour le coup, Kuzan fait un travail monstrueux sur le flanc droit qui bloque totalement Loken dans le tombeau, ainsi que Blaze d'ailleurs, donc il bloque Loken, deux personnes là, ça fait facilement 5 secondes qu'il peut pas DPS. Voilà. Et 5 secondes de DPS pour une lâche, c'est 6 auto-attaques. C'est-à-dire énormément, en fait, c'est les dégâts que met Pilot qui lui permettent de prendre la différence. Là, c'est ça qui ne fait pas la différence, c'est Loken qui se fait détruire par un gros coup de bidon de Winged. On a très bien vu que dans la line-up Sever, c'était plus les frontliners qui étaient responsables du côté offensif. Oh les loups, MVP, c'est terrible. Comment je vais m'en sortir les gars, je suis une Rek'Sai. Quelles sont mes solutions? Hop là, où est-il? Houdini. Et là il ulti sur le top side. Juste à côté de GP, il se prend une Mastos. J'aurais bien aimé. Et très cellulaire. Oh. Welcome. Tu sais, le pistolet comme oh, ça. Oh, attention, Loken. Touché par un baril. Ouh, heureusement que Ki est bien là. À la défense, cet inhibiteur qui devrait tomber quand même. Les dégâts sont très très bons de la part de Jin Air. Ça va être récupéré. C'est le moment. Oui, c'est le moment. C'est le moment, ils y sont. C'est le Baron Nashor des Jin Air Green Wings. Et vu qu'on est à la 54ème, il se fait littéralement éclater. On a Alistar, on a Suite, il va falloir aller bloquer cette Rek'Sai. Complètement piffé par Loken, du coup ça ne pourra pas toucher oh là Loken. Là. Pardon. Bless. Bon outil de GP ici, ça coince totalement la retraite de Thème, tes forces Loken. Crazy et Ki à prendre un positionnement alternatif et justement, c'est là où Kuzan les attendait. Qui va tomber, double kill récupéré du coup pour les Jin Air. Est-ce qu'on peut continuer peut-être plus loin avec une Nashor? Je pense que c'est la game là quand même. Oh 55 oui. minutes de jeu. On est dans les timings classiques des BO Jin Air contre Ever, en tout cas sur la première game. Moins d'une heure, un peu déçu quand même. Il pourrait faire l'effort d'aller jouer à le mur. Belle tentative de Baron d'honneur de Tempt. Vous avez cassé les murailles, je la reconstruis vous les gars. Vous ne passerez pas. Allez, Gandalf la bleue qui ne pourra pas défendre contre l'assaut des Jin Air Green Wings. Oh, un petit kilo plus. Voilà, on va soigner le KDA pour les Jin Air qui vont l'emporter. Quelle fin de game. Quelle fin de game majestueuse de la part des deux équipes hein, d'ailleurs. Aucune n'a vraiment démérité. Jin Air fidèle à eux-mêmes. Loken qui peut s'en vouloir je pense quand même sur la fin de partie. Ouais. Il s'est fait catch 2-3 fois. Il y a eu un baril. C'était compliqué. Après pour sa défense, c'est quand même le GP de Trace. Donc les barils, ils arrivent, ils déboulent assez vite hein, pour le coup. Trace a fait un très très bon travail effectivement. Énormément de dégâts. Félicitations aux Jin Air Green Wings. Je vous rappelle que nous sommes sur la dernière journée de LCK avec deux BO3 qui nous attendent. Le premier ici, vous le voyez, ESMR contre Jin Air. Jin Air qui mène la danse 1-0 pour le moment. Et juste après ce BO, hey, mais du coup, Katie Jin Air, Samsung. Jin Air est officiellement sauvé. Ever ne pourra pas sortir de ses relégations. Aïe, aïe, aïe. On espère que les deux games suivantes seront tout aussi sérieuses, même si leur destin n'est plus en jeu. Ah, blackout en Corée. Pas de soucis, du coup, ouais. Ah, c'est Jin Air qui se rassure, on respire, Jin Air qui voilà, se maintient dans ce classement à sa place de neutre. Une place qu'il souhaitait vraiment, je pense, conserver. Vous pouvez aller chercher des playoffs un petit peu délicats. Ouh, énorme dégâts de la part de Pilot. Hein. Un farming, je ne sais pas combien il s'est arrêté de CS. Oui, mais mettez à vie qu'on était vraiment pas loin des 600. Il était pas très loin, effectivement. Voilà. Les dégâts, 46 000. Talia top damage chez le Ever. C'est peut-être là que le problème se situe, au final. Ouais, en fait, on a vu un Loken complètement perdu dans cette game. Des teamfights dans lesquels il peut pas DPS. Au moment où il veut essayer de s'approcher pour commencer à mettre du dégât, bah, il se fait complètement contrôler par Gragas. Notamment, la rotation de contrôle, de zoning contre cette hache était très bonne. Oui. C'était Kuzan en premier, du coup. Et on sait très bien avec le tombeau de glace, là je peux pas se permettre de s'avancer parce qu'elle va se faire slow, elle va se faire attraper. Et le moment où Kuzan recule, c'est Winged qui prend la suite avec son Gragas. Très belle exécution. C'est vrai que pour une hache, jouer contre. Pour un carrière des statiques, jouer contre Jin Air, c'est vraiment la pire situation envisageable parce que déjà qu'on a des top laners et des junglers qui sont généralement anti-carriadés, genre les Ekarim, les Shen, toi tu as ton pauvre arc, bon. Tu es un petit peu désarmé. Et si en plus les mid laners s'y mettent avec des pics de Lissandra, avec miser sur justement la bot lane des ESC. Le plus beau style de la game. C'est peut-être pas la meilleure approche. On va vous laisser mesdames et messieurs avec quelques highlights et on se retrouve juste après la pause
pour la Game 2 entre Genervin Wings et ESC Ever. A tout de suite sur Eurogaming. Seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. I quit calling you my lover. Move on. You watch me. Et on est de retour du coup pour la deuxième game de ce PO. Eh oui mon cher Tech, et nous avons un élément perturbateur sur le clean feed. Mais c'est pas grave, Kuzan le MVP donc, 6-1-5 avec une divine Lissandra. Kuzan qui a fait un très gros travail de zoning notamment sur, sur Loken qui n'a pas pu DPS Teamfight et qui allait mettre les contrôles. Alors ne vous fiez pas aux apparences, il n'y aura pas de SKT contre Longzhu. Je ne sais pas quel est cet affichage. Ce match a déjà eu lieu, tandis qu'on revoit justement les highlights de cette game précédente. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça s'est franchement bien débloqué en fin de partie. Ouais, Bless qui plusieurs fois s'est fait attraper, et c'est vrai qu'en termes de tanking, il n'a pas forcément pu tenir le burst. C'est vrai. Crazy qui fait des bonnes phases d'agression, on a vu là, sur cette jauge de convergence qui stoppe 3 personnes, mais voilà. Typiquement, les teamfights, c'est Loken qui peut pas DPS, il se fait zoner complètement par le... Regardez là, ça fait 5 secondes pendant laquelle cette hache a mis une auto-attaque. Cette auto-attaque, c'est sur le Alistar. Elle avait le choix entre DPS, un Alistar sous ulti et une Lissandra immunisée. Et honnêtement, c'est pas passé si loin que ça. Le problème, c'est derrière, petit flash-in quoi. Il essaie de suivre le Alistar pour prendre le kill, il flash-in. Et dans la mort. Dans la mort. Quoi. C'est un pack qui flash, comme on dit dans le jargon. Le fameux. Un flash du coup d'Ali Kari habitué à jouer à Ali Kari. Nous dirons ça comme ça. Effectivement, ça coule dans son sang, dans ses veines. Mesdames et messieurs, donc toujours cette dernière journée de LCK. Donc Jiner qui mène 1-0 face à ES Ever. La game 2 qui va commencer d'ici quelques instants. On aura Katie Rolster contre Samsung juste derrière Tech. Je pense qu'on peut directement passer dans le draft. Comment est-ce qu'on les attend ces Jiner en game 2? On va voir s'ils vont peut-être rester sur ce même plan de jeu qui après tout leur a réussi, c'est-à-dire un mid laner qui peut tenir. Oui. Le mid-game, parce que simplement ça fait peur, une Lissandra en mid-game, tu veux pas forcément aller te battre contre ça. Avec. Oh, Alistar d'ailleurs qui va partir du côté de qui cette fois-ci. Effectivement. Et on va partir sur un Vladimir sur Kuzan. Donc, toujours pareil, Vladimir, gros mid-laner de mid-game qui fait moins peur en termes de dégâts, par contre qui tank beaucoup plus, qui peut temporiser. Exactement, un tampon par excellence. Alors, ban de HN, Lissandra hein, directement ciblé sur Kuzan, Nidaa. GPM Malzahar pour les Jiner, on est plus dans des bans classiques. Seconde rotation donc pour ESC Ever avec le Gragas de Bless cette fois-ci. Ou peut-être une Elise, on n'est pas encore convaincu. On n'a pas encore fait son choix si. Le choix a été effectué en tout cas pour Loken. Et pour Bless aussi, on retournera finalement sur Rek'Sai. Ouais, Bless sur Rek'Sai. Attention à ne pas se faire cacher à nouveau, peut-être par un Gragas de Wing qui pourrait être garanti là, je pense, cette phase de draft. Du coup, on laisserait la speak à la top lane, ce qui me semblerait correct. Cohérent, effectivement. Très, très, très cohérent. Et d'ailleurs, on a la possibilité de flex le Trundle, qu'on ne révèle pas tant de choses que ça. Et non, finalement. Et non, pas du tout. J'aurais préféré un pick là du Ezreal maintenant. En fait, je vois pas l'intérêt. De prendre le glace tout de suite. Oui. Ouais. Bon, l'assurer évidemment pour empêcher qu'il soit entre les mains de Crazy, mais quand bien même,
Peut-être qu'on n'est pas suffisamment à l'aise sur du counterpick de Gnar. On a quand même une position de Jhinaire, toujours pareil dans leur style le plus typique. Beaucoup de tanking. Par contre, niveau DPS, c'est léger, hein. Très léger. Il va falloir vite monter en puissance. Mais on connaît déjà le Karyadé. Je pense. On connaît déjà le Karyadé. De toute façon, il ne peut y avoir que deux. Ce sera soit Sivir, et vu que c'est Jhinaire, ce sera probablement Sivir. Ou au pire du pire, un Jhin. Jhin sera intéressant dans leur position. Pour essayer de se mettre très loin du fight, en fait, là où il y a beaucoup de contrôle, on s'éloigne. Mais là, ici, un Karyadé statique, je me demande si c'est vraiment le meilleur choix avec l'Atalia et le Echo qui sont validés pour les ES Ever. Donc, une position de Karyadé difficile à assumer. On va directement choisir un pick ultra safe. Le Ezreal Prelock était effectivement celui qui allait tomber entre les mains de Pilot. Pas de Sivir, pas de Jhin, Karyadé mobile. Pour les Jhinaire, une composition à très faible dégâts en effet, hein, pour le coup. Ouais, on va juste en fait refuser les teamfights, je pense, du côté des Jhinaire. Kite au maximum, disengage. Essayer d'absorber, en fait, d'éponger tout l'engage potentiel des Ever. Des Ever, par contre, qui eux se montrent bien plus agressifs. Mmh. Avec le Flanking de Crazy qui pourrait faire des mal. Le All-in de Ki qui peut aussi être ravageur. On a un mid-game avec énormément de dégâts pour voir. Trinité sur le Echo. Talia. Ça fait mal, ça fait quoi mal, qu'il arrive, très, très et mal. On aura probablement un Shrek build sur le Kun pour vraiment aller chercher un mid-game incisif qui pourrait aller briser justement la défense de cette Jhinaire. Ouais, en théorie, dans cette composition, beaucoup d'espace pour Lucian, pour le Lucian de Loken. Ouais. Cette fois-ci, un simple Gnar, un simple Gragas, une mid-lane pas extrêmement menaçante avec Vladimir et surtout, en fait, dans la line-up des ESFR, beaucoup de menaces. Et donc l'opportunité pour Loken peut-être de passer beaucoup plus inaperçu ici. On n'est pas très effrayé par l'instant des pop, mais normalement on a au minimum deux personnes devant soi. C'est une bonne game pour un Lucian. Ouais, il va falloir juste s'arranger en termes de zoning, ne pas se mettre peut-être dans la zone de non-droit qu'confère un Vladimir. C'est vrai que se mettre à portée de la vague de sang serait bien dangereux. Bien sûr, hein, tout l'intérêt du Vladimir c'est de diver là où on l'attend pas. Les deux équipes ont validé leur line-up. Jhinaire Green Wings contre ESC Ever. Ça commence tout de suite. 1-0 pour Jhinaire. Et on va partir dans cette seconde game. Dragon des montagnes. Premier dragon de la faille de l'invocateur, ES Ever contre Jhinaire. On va voir une position bien plus agressive du côté des Ever. Hyper qui va devoir faire la différence par contre sur le mid-game. Parce que je pense que plus tard, même si en face du côté des Jhinaire, on n'a pas beaucoup de dégâts, ça risque d'être un petit peu dérangeant. Ouais, la courbe de progression est très. Oh, le fait shake de suite. Dommage pour qui? Pour le ESC, le croquage, le Mystic Shot qui passe, ça peut être dangereux avec Talia qui arrive derrière. Talia niveau 1. Les Miyaku spell malheureusement uniquement, l'assimilation qui touche, la force, le heal et le flash out de sweet. Aïe, voilà un début de partie qui commence assez mal, des petits fanboys de Tempt. Oh, sympathique, wow. Sympathique. Je suis votre serviteur. Il a hypnotisé toute la foule. Allez, déjà un flash en moins sur Trundle, un petit tour au niveau des Keystone Masteries. C'est un écho ferveur du combat, donc écho offensif. Côté Jhinaire, de toute façon, on a pris toutes les keystones de résistance ou de régénération, hormis pour Ezreal, bien sûr. Ouais, on ne peut pas tellement en profiter. Sur une ferveur. Et qui part sur une question de quoi de plus en plus sur un sur les Alistar. C'est vrai que là, la bénédiction de la Rime Ancienne est un petit peu boudée. Oui, complètement. Depuis quelques temps sur Alistar. Et du coup, on va repartir justement sur cette keystone qui permet quand même de relativement bien faire tanker un AD Carry. C'est notamment très très fort sur les trades à 2v2 sur la lane. Mmh. Ça permet en fait à Lucian d'aller chercher de l'agression bien plus deep. C'est vrai que la valeur d'un Thunderlord est extrêmement dégressive. Et pour le coup, c'est très bien niveau 2-3. Mais après, ça passe rapidement inaperçu. Ouais, surtout sur un support qui ne build pas énormément de dégâts. Quoi. Bien sûr. Tandis, attention, transi level 2, bon dash avec Pistolero. Tandis que le lien de pierre, pour le coup, effectivement, on est sûr de la valeur que ça va apporter. Donc, vous l'avez bien vu, pas de swap de lane à prévoir ici. Les Jhinaire face au SC dans le format classique de League of Legends. Passage level 2 de Istar imminent sur la fin de wave.
pas d'agression à venir, je pense. On va rester relativement passif ici. Ouais, Kiki reste très en retrait alors qu'il devrait passer niveau 2 sur la mort de ses spear casters a priori. Il aurait peut-être pu se mettre plus dans l'opposition pour aller peut-être chercher une agression sur Pilot. Mmh. Après c'est compliqué parce que Sweet, il a du coup cette... Point de l'immortel. Du coup c'est vrai qu'il peut aller chercher en fait le 1v1 contre Logan de manière très violente. C'est la grosse grosse force d'un, d'un Trundle en lane. Ouais, les trades mêlés à coups de poigne et de debuff AD effectivement qui sont assez gênants pour le coup, surtout sur un Alistar qui se fait bien cripple. Wing sur le top side, on sécurise tout simplement les carapateurs, c'est le farming qui continue. Il reste toujours un blue buff par contre d'actif sur lequel les deux junglers vont manifestement se rencontrer. Pour le coup, on n'a plus de pression mid lane en faveur des ES Saver. Je pense que ce blue buff va être condamné. Attention au retour ici. Ouais, et Agnar qui pour l'instant s'en sort plutôt bien quand même. 13 qui fait un très bon travail. Malgré la, la maîtrise défensive. Oh, oh il se met devant. Ça force le flash. Flash in de Blaze pour les suivre. Est-ce qu'on peut avoir le numéro éventuellement sur Wing? Les dégâts sont bons. Oh, il y a le numéro qui n'a pas mis de bump malheureusement. Oh. Avec Kuzan, il manque juste un coup de sondeur peut-être. Et qui se passe de faire. Oh oui, il arrive le key. First blood récupéré. Le flash in combo de key qui fait la différence. Et l'Ever qui récupère pardon, un first blood bien plus tôt dans cette game que la game précédente. Le sprint de la bot lane. En fait, 20 minutes plus tôt. Mais d'où sort-il cet Alistar? On a tapé le sprint de l'infini depuis la bot lane justement. Et quelle intervention. Pour le coup, il tombait vraiment à pic. En plus de ça, il a même pas volé. Ah si, il a volé first blood, pardon. Il a récupéré son blood quand même. Je croyais qu'il n'avait pas volé. Donc ça reste quand même, ça reste rentable. Puisque c'est quand même un jungler qui meurt, donc forcément. Eh, hey, on a forcé le flash et le ghost hein, de oui, Kuzan quand même. En plus de ça, c'est vrai qu'il voulait voler au secours de son jungler. Ouais, il a volé, il a couru, et ça n'a pas suffi puisqu'il y avait un Alistar bien énervé. On va essayer de compenser. Ah, c'est par contre Crazy qui prend quelques dégâts là. Un peu embêtant, Gragas sur le flanc. On a pu rendre mana au niveau de Crazy. Il y a un coup de bidon qui va partir. Bidon. Oh, même pas. On va pas le tenter. Il avait pas le Sir Juke peut-être. Il n'y avait pas de backup au niveau de Rek'Sai qui était littéralement du côté opposé de la map. C'est vrai, je vais pas le tenter quand même, parce qu'au pire, s'il est flashé out, c'est pas grave, tu prends un flash quoi. Ça faisait flash out à 90% je pense. Ça reste un petit peu dommage là. Kuzan qui se prend un bon POC. Mais bon, on va sustain, on a un Vladimir. Quelques Q-spell et on ne verra plus la différence. And it's ok. La transition du Vladimir. En fait, cette barre rouge là sur Vladimir qui... je trouve pas être quand même un indicateur plutôt négatif pour ça le vend fait. La mèche. C'est ça, c'est, on sait, à ce moment-là, on sait qu'il a sa transition qui est revenue. Et tant qu'elle n'est pas full la barre, on sait que la transition n'est pas disponible. Ouais, c'est un peu comme Renekton, mais en pire, parce que en plus d'avoir les feux augmentés, tu as le cooldown du spell. Ouais. Pour le coup. C'est impossible de se faire surprendre par un Vladimir. En tout cas, pas au niveau de la transfusion. Toujours un match-up assez difficile à subir sur le top side. Mais que Crazy quand même gère plutôt pas mal pour l'instant. On a fait un build très orienté leaning phase au niveau de Trace avec le double de runs. C'est intéressant ce qu'il fait Tempt avec ses cercles. Ses cercles là, parce qu'en fait il est pas du tout au milieu, du coup au pire du pire il sait qu'il pourrait avoir un Q-spell majeur sur la mid lane, enfin au milieu de sa lane. Ah, accessible. Pour aller à l'agression, j'aime bien ce choix. Oui, oh, décalage de Tempt. Avec l'ultimate, on a transi level 6, Tangnar qui va être bloqué, quand va-t-il être utilisé? Tempt qui retient, on a la transition en Mega Gnar qui peut être très dangereuse. Oh là, il prend d'énormes dégâts! Flash de 13 avec le Mega Gnar, c'est pour temporiser. Oui, le combo est pas mal de la part de 13, ça ne suffira malheureusement pas. Crazy a pu temporiser les dégâts de la tour. Quel outplay! C'était tendu! Je pense qu'ils ont fait peur là quand même les joueurs Ever. Ouais, notamment Tempt qui a eu peur. Tempt qui est sorti de l'aggro de la tourelle juste avant de prendre le stun du Z et Crazy qui a utilisé le chrono shift pile au moment où il allait s'éclater tête la première contre la tourelle. Pour le coup, jackpot total. On sent quand même que niveau mécanique, on a deux équipes qui sont assez proches avec des joueurs qui mettent un petit peu chacun leur tour. C'est phase d'agression, c'est phase d'outplay. On se rappelle évidemment du chase de la game précédente où chaque joueur a eu un petit peu le même réflexe avec ce je dash d'un côté du mur puis je reviens de l'autre avec un flash. Allez, bot side maintenant, ça n'avance pas beaucoup mais on a un back d'avance au niveau de Loken avec deux longs swords.
voilà, qui peut être assez problématique pour Pilot qui lui n'a toujours pas sa larme de la DS en stock. Ouais, et le problème sur Pilot c'est que même quand il aura fait son bac et qu'il aura sa larme de la DS, bah, il n'aura pas forcément beaucoup plus d'années pour les trades contre Loken. Et ça va poser quelques problèmes, notamment si qui décide d'aller faire des all-in majeurs contre cette duel des Jin Air. Ah, il devrait un peu plus se laisser tenter une fois qu'il disposera de la volonté de faire. Ça c'est un problème contre lequel il faut se préparer. Back du midliner au moment précis où les receiver passent à l'attaque dans la jungle des Jin Air, Green Wings et Winged qui est complètement surpris avec aucune possibilité de soutien. Un peu unlucky comme timing. On back au niveau du buff bleu. Ouais, pas fou, pas fou. Ça aurait pu être mieux effectivement. Trace ici continue à mettre de la pression. Bless qui va être repéré là dans son entrée dans la jungle. Et du coup on le sait, il est au Corbin, la formation est donnée. C'est assez étrange d'ailleurs, mais ce tunnel à cet endroit là. Il est vraiment ce genre, je traverse la mid lane, ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Tout va bien. C'est généralement les tunnels qui restent le plus longtemps. On se dit que 5 gold, ça vaut pas le coup. Ouais, Trace. Sur place trop longtemps. On trouve Bless ici un petit peu isolé, on a le soutien de Switch juste derrière, la soumission. Point de vie, c'est compliqué, l'arrivée de Wing. Il va pas le faire, par contre, Trace pourrait tomber. Le flash hit de Kik qui va récupérer son second kill dans la game avec Kuzan, l'exhaust instantané qui va pas sauver la vie de Tep malheureusement. Et ça passe. Crazy qui prend beaucoup de dégâts, mais il y a toujours le chrono shift pour revenir éventuellement. Va-t-il l'utiliser? C'est utilisé. La roulade combo de Ki à nouveau, Kuzan qui pourrait tomber. Il est de l'autre côté, Crazy Kane aussi, il y a un outplay complètement dingue. Il est retourné. Et double kill pour Temp, la game qui s'emballe. On n'est plus habitué. On est plus. ESC Ever contre Jin Air, on n'est plus habitué. C'est un génie total. Crazy qui nous fait un turn et qui bait l'agression de deux membres de Jin Air. Sur le front inférieur, il repart au-dessus avec ses alliés. Bien aidé par Ki aussi, qui a mis, je crois, 3 combos dans ce teamfight. Oui. Effectivement, il a été magistral. Bless qui tente, c'est pas mal fait de la part de Bless, malheureusement, voilà. Il manquait, l'auto-attaque était déjà perdue de la part de Winged. Avec Ki, ça s'est validé. L'arrivée de Kuzan, l'exhaust. Au niveau de l'hémoplay, Tempt qui va pas tomber. Crazy qui met tellement de dégâts, n'empêche. Il s'est retourné sur Gragas. Vraiment, c'était juste. Enfin, c'était merveilleux. Regardez ici. Il s'est retourné sur Vlad. Hop là. En gros, il a refait la roulade. Il a flash de l'autre côté. C'est re-TP. Et Wing, il était en mode. Mais il est où? je l'ai perdu. Ah, c'est la grosse force de Echo. C'est cette mobilité insane. C'est impossible de kite un Echo. Ou que ce soit pour le rattraper ou pour le fuir. C'est vrai que c'est la grosse difficulté de jouer contre le champion. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi plébiscité. Avec le build de Trinité, notamment. Ça lui permet d'être toujours actif dans la mêlée, mettre beaucoup d'auto-attaque. Et avec le E, on sait à quel point les dégâts sont monstrueux. Monstrueux, totalement monstrueux. Ah, les ESC Ever ici qui sont extrêmement secs hein, quand même avec les Jin Air. Ça avance très vite, le snowball est mis en place. Pas du côté où on espérait. Attention, on est en train de tanker le culling directement en mêlée au niveau de la botlane Jin Air. Heureusement qu'on dispose de la soumission. Mais ça reste tout de même très osé. On a un build un peu particulier d'ailleurs au niveau de Loken avec des bottes de Zerk. Qui sont arrivés extrêmement tôt. Généralement, c'est un focus qu'on voit plutôt dans les games où il y a des logiques de swap lane pour accélérer un petit peu les rotations, mais ici, pour Trundle, on imagine bien. Ouais. Pour pallier l'agressivité de Trundle, son ralentissement. Attention, mur posé par Tempt. Mur, ce serait probablement Sweet, du coup, la cible, il a pas de flash. Il a essayé de sauter au-dessus, mais c'est pas possible. Tu vois le gros troll comme ça, tu sais qu'il essaie de passer par-dessus. Ah, j'y arrive pas. Ah. Oh là là, le pauvre. Effectivement, quand ton destin est scellé par un ulti comme ça, tu te sens un peu mal. C'est le moment où tu sais que t'as plus de flash, donc quoi qu'il arrive, tu pourras pas passer ce mur. Ah, le mur est bien placé. Ah bah. Et tu vois ce Manes Gary qui fait bon bah salut, hein. Transfert arcanique. Bon, eh bah tant pis. C'est tellement fort pour ça, Talia quand même. Et Ted d'ailleurs qui change un petit peu sa volonté avec sa Talia. Ouais, Morello first, contre un Valdimir ça a pas mal de sens. Surtout des ultimates bien plus appuyés pour prendre de l'agression sur les side lanes, alors que sur la game précédente c'était plus pour essayer de sécuriser les objectifs. Et pour l'instant ça semble réussir quand même assez Ever. Attention, on se fait un petit peu balloté ici au niveau de Bless, mais on est très tanky. Le red buff n'a pas été récupéré, le frais est sur Winged.
Ce n'est pas passé loin non plus. La T1 qui va certainement tomber bientôt en la faveur des Ever si on parvient à insister un peu plus dessus. Et cette Rek'Sai, Bless, qui nous signe lui aussi un build un peu particulier pour le coup. Avec des bottes de Zerk. Voilà quelque chose qu'on ne voit vraiment pas souvent. J'avoue que bottes de Berserk Rek'Sai. Alors déjà c'est très très ballsy, parce que c'est dire qu'en, ouais, en termes de tanky, bon, ça va manquer quand même les Mercure ou les Tabi. Notamment, notamment les Mercure sur la composition des Jhin Air. Et derrière, ou même des célérités, ça aurait été bien contre tous les slows apportés. Là c'est, je vais mettre beaucoup de prog de timelat, je vais essayer de ultra farm dans la jungle et ça se passe plutôt bien parce qu'il a quand même 42 CS d'avance. 13. Il essaie de s'enfuir, le flash out, on esquive le bump. Oh, oh oui, qui kiffe ça un petit peu raté malheureusement là, sur son combo. Et il va aider Trace à s'enfuir. 13 qui a traversé pas moins de 3 murs sur cette phase d'escape. Et on réalise le mouvement à l'opposé, mais Bless est déjà présent pour backup Loken. Bonne agression qui part sur Gragas et qui devrait normalement le dissuader de toute tentative de dive ou de dragon. Et donc les Sever qui conservent un avantage assez grand sur la map. 5400 gold à 13 minutes, 14e minute maintenant qui s'ouvre devant nous. Quand même un avantage très important. Bot de Sufnest, pardon, à l'honneur chez Ejiner. La célérité avant tout sur Gnar, sur Gragas et sur Vladimir. C'est vrai qu'on est essentiellement sur du slow ou du CC qui n'est pas vraiment qu'on ne peut pas vraiment réduire en fait avec la ténacité. C'est des bumps ou des slows effectivement. Ouais. À part la convergence de Crazy, qui est vraiment le seul. Que tout le monde va éviter du coup parce qu'ils ont tous des bots 33. Ouais. C'est vrai qu'il va falloir le vouloir pour être dedans. À moins d'un très très bon travail de Close peut-être en flanking. Ouais, avec qui peut-être en synergie, ça peut fonctionner. Pourquoi pas. Après, ça risque d'être très délicat quand même d'aller chercher. Et 13 qui va être à la limite du Mega Gnar là. Il va le temporiser un mais petit peu. Ce build bot de Zerk met quand même un sérieux coup au farming de Winged qui doit compenser par des gants. Que t'aimes ici dans la tourmente. Le bump est pas mal, par contre, on va le ramener, les dégâts sont bons. C'est un petit peu précipité la Winged. Il pensait que cet allié allait revenir bien plus loin. C'est vrai qu'avec les Moplay, du coup, qui amplifie les dégâts des spells, ça aurait pu suffire malheureusement. Voilà, mauvaise appréciation du bump apporté par son ultimate. Et ça ne permettra pas de prendre le kill. Ah, pour sa défense à côté d'un. Oh, attention, oh, du coup, on repasse la revanche à l'attaque. Le thème sur Kuzan, il y a la transfusion qui est maxée. Oh, il y a surtout un fantôme qui le pousse à Mach 12, mais encore une fois, c'est bloqué de ce côté. Et là, il y avait le sweep pour défendre. J'ai oublié de faire tout le tour. Non, lâchez-moi. Allez, le carapateur qui va être validé. En tout cas, un build bien glace canon hein, pour Tempt. On imagine que ce sera un Riley tout de même en second. Ici, non, des bots en 3 direct. Hein. On va rester quand même sur une grosse baguette pendant pas mal de temps. Et voilà, 100 CS à 50. Winged qui se prend un gentil 100%. Ouais, et là on sent l'impact des berserkers quand même. Hein. Ah ouais. De puissance de farm, Bless il est parti. C'est pas mal hein. Il farme tout. C'est pas mal du tout. Il peut se le permettre un peu plus peut-être ici que dans d'autres parties, mais. Je trouve ça intéressant quand même de la part d'une. On voit de plus en plus des Rek'Sai qui voilà, partent un petit peu à la réponse contre un Gragas en essayant de tout simplement de l'autre farm de manière majeure. Et là c'est vraiment, il pousse le vif jusqu'au bout. Et j'aime bien cette méthode, ça permet de complètement deny le Gragas qui au final n'a pas beaucoup de ressources à faire valoir. Sous sa jungle, bah, il la voit pas beaucoup. Hein. Non, il est obligé d'être présent sur les lanes en permanence, tenter de contrer justement l'agressivité des Ever, parce que c'est quand même une équipe. Bon, l'écart en gold c'est un petit peu réduit, mais on reste quand même sur un avantage de. Non, c'est un petit peu amplifié, pardon, mais on reste quand même sur un avantage de 6000 gold, donc forcément, quand tu es jungler. T'es un petit peu comme un plombier qui voit 18 fuites sur 4 tuyaux en face de lui. Et tu essayes de faire au mieux partout où ça pète en fait, finalement. Il y a un moment où t'as plus de bum pour bloquer les trous. C'est ça, tu peux pas être présent partout. Même Rek'Sai ne peut pas être présente partout. C'est pour dire. Par contre, elle peut être présente top lane. C'est assez intéressant comme situation. Ouais, que Gragas est complètement spot depuis tout à l'heure. C'est vrai que oui, il peut pas vraiment se déplacer sans. Parce que dans la rivière, là, il a un petit passage quand même qui est ouvert avec des wards qui viennent de fade et à pouvoir peut-être se permettre de pénétrer dans la jungle de Bless. Mais bon, on voit bien sur la minimap, hein, il n'y a plus rien à prendre, tout a été dévoré déjà. Il n'y a pas un creep qui traîne. Il n'y a plus un camp de up. Ouais, il y a juste un gromp. Ah, il y a un gromp. Et un carap.
Il y a un groupe effectivement qui vient d'apparaître. Les Loki and the Respawn. C'est vrai que niveau farming, on rigole pas trop, quoi. On prend vraiment tout. Allez, comment avance le build de Lucian? Timidement, mais sûrement. Très bon travail de la part de Pilot, hein, bien sûr, que tenir la cadence de farm. Malheureusement, en termes de stacking de l'arme de la DS, ça va prendre un peu de temps encore. Parce qu'on est déjà là, à 18ème minute, et bien entendu, on a mis la priorité sur le gantelet givrant. Histoire d'avoir quand même de quoi répondre à Lucian en lane. Et la Manamune se fait attendre. Compliqué, attention, le pilar sur local, après ça, Lucian, il peut quand même... Disengage, il est bien protégé par qui? Ouh, le Q-spell qui touche par contre. On commence à voir le gantelet givrant sur Pilot. Donc, les dégâts de ce Ezreal vont commencer à être impactants, en tout cas sur les phases de POC. Celui-ci par contre ne touchera pas. Et le Ken qui va un petit peu attendre en termes de sustain. Que sont les stars le soigne. Quand même, il va falloir accélérer la cadence au niveau des receivers. Violaine peut-être. Il va falloir amplifier cet avantage, autrement les Jhinnir vont faire ce qu'ils savent faire le mieux, attendre les 40 minutes et renvoyer cette game perdue en principe en coin flip. C'est pas du tout ce que les SAVers veulent. Oh, le flash directement, on s'est pas bien entendu par contre entre Tempt et Bless. Ouais. On avait le bump de la Talia qui avait été anticipé. On part contre ici. Ça va être très difficile. Exo, je pense que tu es mort. Oh, oh non, il a son flash en plus. Ah là, on sent quand même. Là, c'est un manque de concentration, hein, vraiment, du côté des Jhinnir. On se laisse dépasser, on panique. Trop chaud de barrage. Et non, finalement, on ne récupérera rien pour Pilot. Je sais qu'il profite de ce moment pour rattraper un petit peu son farm. Les Saver qui engage le dragon des montagnes à la 19ème minute, 30ème seconde. Des dragons lents dans cette partie, terriblement lents. Aussi lents. Lorsqu'ils vont terminer ce dragon, eh bien, le Baron Nashor sera quasiment activé. Celui-là, on sait très bien ce qu'il représente pour Jhinnir. Hein. En fait, il voit pas un baron, il voit un piège. Genre un piège à ours. Tu sais, un piège de Caitlyn géant, mais à la place du Muffy, le milieu, t'as un Nashor, tu sais. Avec un super cake Nutella, tu vois. Le truc qui fait bien baver tout le monde. Et ouais, il faut pas se laisser avoir. Côté des Jhinnir. Après, le défense, ça va être compliqué. Hein. 8000 gold de retard. À 20 minutes de jeu, c'est quand même une avance qui est loin d'être négligeable. Je dirais que les Evers sont quand même bien partis pour remporter cette seconde game de ce BO. Ouais, c'est tout à leur honneur, hein, malgré la fin finalement de la contestation entre 8ème place et 9ème. Ils restent quand même sur le pont, prêts à se battre. Même s'ils savent déjà que leur destin n'est pas très radieux pour les prochaines semaines. Ils n'en restent pas moins découragés. Allez, push mid lane maintenant, quasiment impossible à obtenir. On donne beaucoup de solo XP à Lucian. On sent que Lucian sur le passage en combo strike, donc Black Cleaver, Yomu Ghostblade, sera un atout majeur. Tout comme c'est Talia, bien sûr, qui a terminé le Rylai comme prévu. On est sur pic de puissance, deux objets. On attend certainement le feu vert de Lucian. Et normalement, la phase numéro 2 du plan de conquête de l'univers des ESA Ever devrait prendre forme. Black Cleaver activé, Rylai. Morello activé. Il va faire tellement mal avec ça. On peut y aller, je pense. 4-0-3 Tempt avec sa Talia. Ça fait deux games quand même, hein, qu'il forme une énorme game de Talia. Et là, c'est vrai qu'il va faire vraiment mal avec le Rylai en plus. C'est tellement fort, Rylai avec le Q-spell qu'il a pris plusieurs fois. Ça permet de setup des fights très violents. Et presque en fait, le temps que le slow du Rylai finisse, tu as l'autre Q-spell qui arrive pour. Le truc, c'est que ça proc aussi en AOE. C'est ouais. Ça qui est vraiment là. Purement et simplement abuse de Tempt qui était dans une très mauvaise passe ici mais qui parvient à s'enfuir au prix de son flash. Pour les Jhinnir, on montre quand même les crocs. Mais ça n'en reste pas moins. Ça reste relativement intimidant. On sent quand même que les Savers ont pleinement conscience de leur avantage ici. Ouais. Voilà, par exemple en faisant ça. Comment tu dis le respect? Moi je ne connais pas ces mots, je ne sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup de critiques sur les tourelles, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur certains persos, elles font mal, mais sur d'autres, elles font que dalle, hein, quand même. Hein. Parce que ce écho, il a juste des tabis, une chain vest, et là, T2, c'est déjà... Il ignore, simplement. Ouais. Elle est mignonne, voilà, c'est tout ce que c'est. Bon pilar de la part de Sweet, là, ouais. Pour protéger son mid-laner, ça empêche wow. Du coup le Ken de s'aligner pour la colline. Wing, qui n'aime pas du tout les positionnements de flanking.
qui est man de blesse ici, hein, donc on chasse, on zone, on dissuade. Un wave clear assez fragile quand même pour les Jiner, qui repose quand même sur une certaine distance de sécurité. Bon, attention, on va y aller à 3 sur un méga Gnar en dessous d'une tour. On a déjà vu meilleure idée. Ouais. Ça ne vaut pas le coup de se commit là-dessus. Ça c'est compliqué, là. Ça prend l'ultime méga Gnar ici sous une T2. C'est pas parce que le premier coup de tour ne fait pas très mal que le cinquième et a un résultat similaire. C'est même de plus en plus douloureux les coups de tour. Le stacking maintenant des dégâts qui a été augmenté d'ailleurs sur les tours. Ouais, qui va plus vite, c'est en 3 shots on est sur les dégâts maximaux alors qu'avant c'était sur le quatrième, me semble-t-il. Et pour le coup, quand on swap l'aggro également, eh bien la réduction de dégâts est amoindrie. C'est-à-dire s'il y a gros coup de tour sur A et que A utilise suspension ou Zonia ou whatever, gros coup de tour direct sur B. Ouais, c'est... Il n'y a pas de oh, finalement, je me suis calmé, je suis qu'une tour gentille. Non, parce qu'avant, ça résetait totalement le bonus. Oh super! Sur Kuzel qui va se faire casser sa protobelle. Par l'arrivée de qui, on a la poule. Est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être? Les gars, jusqu'au bout. Bon, le Kelly. Oh, il manquait une seule balle. Et malheureusement, Loken qui est dans une mauvaise posture ici. Mais ça va, on arrive à lâcher l'aggro de la tourelle qui fait relativement peu de dégâts. On va passer sur Wing. On va prendre le kill. Méga Gnar imminent. Bless qui zone. Bless qui creuse. Bless qui s'en va. Ouais, et Bless qui va sauver son équipe là-dessus. Bon move de sa part. Et les Ever qui n'hésitent pas à l'agresser. On sent qu'on a un petit peu le. On a un petit peu sur une game différente, hein. Pas du tout le même style de jeu. Oh, mais depuis quand un jungler à 0-1 est capable d'aller comme ça mano à mano face au top laner? Attention, le mur de Talia qui est placé ici afin de sécuriser la tourelle et de sécuriser un pauvre Trundle perdu. Oh oui, le kill, il va prendre quand même le. Enfin, il va mourir sous l'auto-attaque de Pilot. Bon, il est quand même à 3 kills, hein, le bon kill à 3-1-5 avec son Dalisman d'ascension. il est heureux avec son Alistar. Ou par contre, attention, à pas se faire attraper. La protobelle qui va permettre d'esquiver le bump. Pas de problème pour Kuzan. Et maintenant, phase défensive. Très importante pour Jiner. C'est peut-être là leur dernière opportunité pour maintenir les portes fermées. Et pour le coup, ESC qui confirme timidement, petit à petit, son avantage dans cette game. Ça s'amplifie légèrement. On frôle bientôt les 10K gold. On n'y est pas encore tout à fait. Mais on sait que le plus important, ce ne sont pas vraiment les pièces d'or, c'est plutôt le push. Et en termes de push, honnêtement, les Jiner se débrouillent extrêmement bien vu le faible wave clear dont ils disposent. Aucune T2 n'est encore tombée. C'est grâce à ce genre justement de, oh, de move défensif. Et oui. Ah, ça court vite quand même, un mini Gnar là. C'était pas parfait pour les Ever. Il aurait fallu peut-être arriver sur la fin du méga Gnar, mais quand il n'est pas encore retransformé, de manière à ce qu'il soit quand même un peu plus lent, un peu moins mobile. Ouais. Parce qu'évidemment, quand on se détransforme, on gagne le move speed du passif du hyper. Téléporte. Au moins ça protégera la tourelle. On a investi beaucoup de personnes sur ce topside. Ouais, les tours d'ailleurs pour l'instant qui n'ont pas été récupérés par les Jiner. Ouais, aucune. Et c'est Ever qui fait quasiment une game parfaite à ce niveau-là. Aucun dragon concédé, aucune tour concédée. Et deux petits kills de concédés qu'on passera sur le compte de la jeunesse. La fougue. La fougue. Ça reste relativement honnête en effet. Allez, il faut passer maintenant à l'étape suivante. On est encore vraiment dans une bonne phase ici, hein. On n'a pas encore de maillet gelé sur Trace, donc on va dire que l'impact du Gnar est plutôt contrôlable. Et voilà, on est incisif sur les calls, le Baron Nashor, on le fait tout simplement. On a Trace qui est en train de canaliser son TP avec un format de mini Gnar, très dangereux ici ce téléporte pour Trace qui fait gagner pas mal de temps mais qui a probablement sacrifié sa propre vie. Et c'était bien le cas, et on n'a même pas lâché le Baron Nashor au niveau de Bless. Un true shot barrage qui chatouille. Coup de tête, reprise de volée, Olivier Tom. Et on y est, c'est validé, c'est smite. Et qui est à 1%. On zone un petit peu pour le public. Qui fait une game? Il fait une de ses games. Et, enfin, ce mec là, c'est parfaitement de combien de points de vie il dispose. C'est incroyable. Et combien de points de vie vont lui être retirés par tous les spells qu'il va subir durant la petite fenêtre d'opportunité qui va saisir. Enfin, il est. Plus communément, on appellerait ça de la luck. Mais c'est quand même beaucoup. Alors, de la luck, quand ça arrive 3 ou 4 fois dans la même partie,
Moi, voilà. Ça, le problème, ça n'existe pas. Je vais mettre ça sur le coup du skill quand même. On va mettre ça sur le coup du skill, mais pour le coup, c'est vrai que c'est très impressionnant. En plus de ça, avec. Oh là là, Crazy. Oh là là, mon dieu, le fût qui a été complètement loupé. Roulade par-dessus la montagne. Par-delà le tronc. Ouais, et on s'en sort bien, on a choke. Pour Winged, on a complètement choke. Est-ce que ça ouvrirait pas une T3 là? Pour les Ever, les dégâts sont bons sur la tour. Et ouais, elle va se faire complètement détruire par l'agression de ces Ever. On va récupérer le premier inhibiteur. À 28 minutes de jeu, c'est un timing surprenant pour une game des Junair qui n'arrive pas à se défendre au final. C'est vrai que l'agression des Ever. Le héros canon, son dernier boulet sera le bon. Je propose de donner 100 points de MVP à ce canon. Qui les mérite. Qui les mérite clairement. Historiquement, il y a des minions qui ont mérité justement ce genre de choses. Je sais plus c'était quel BO, mais je me rappelle d'un caster minion qui attaquait totalement autre chose. Et qui a fait double kill plus l'inhib. Un caster mignon tout seul. Il tue deux mecs. À coup de bagarre sur team fight, qui s'engage. Justement, non, ça a l'air d'être plutôt contrôlé pour les Jinair. On a forcé les mots-play du côté des Ever. On a sacrifié beaucoup de points de vie au niveau de Kuzan. Un petit peu compliqué. C'est très difficile pour lui de revenir. Et voilà, c'était le du coup qui va tomber. Le buff Nashor qui est utilisé à son maximum par des Ever en pleine forme, écoute. On dirait que. La perte de qualification les a libérés. Ouais, c'est ça. On joue libéré. On joue délivré. On sent qu'ils ne mentiront plus jamais, là, les Ever. Plus jamais du tout, ils ne mentiront pas parce que c'est une équipe de LCK. Ils n'ont pas besoin de mentir. Ils n'ont pas besoin de se faire passer pour. Crazy. Le bug. Oh là là. Ils don't. Je ne pense pas qu'à deux, ils soient capables. Ils n'ont pas de dégâts, de toute façon. Ils ont pas des gars quoi qu'avec Pilot, wow. Ça peut changer peut-être. Finalement, si on fait ce genre de choses, et encore une fois, c'est pas terrible, terrible. Une convergence relativement éloignée. Non, oh, le pilier. Sweet. Quel le génie. Travail. Incroyable. Alors, on a un petit peu overreact quand même sur le chrono shift, j'ai l'impression. Mais ça reste relativement honnête. On a fait perdre pas mal de temps. Ça offre de l'espace au SC. Mais ça avorte complètement le push sous main du Baron. D'ailleurs, un intérêt limité à être présent sur cette middle lane quand même au niveau des ESC Ever, hein, puisque la seule tour à l'extérieur restant encore debout et titubant est top lane. Ouais, la c'est rotation. Ce place to be. Je pense qu'effectivement la T2 est quand même la cible prioritaire de ces Ever. C'est la dernière tour extérieure qui reste en vie. Elle doit être facilement chopable. Même si on met de côté Crazy, puisque l'avantage d'avoir un top laner qui tombe, c'est qu'il revient vite avec son TP. Un joli mur qui coince, Pilot et Wing, True Shot barrage, qui fait pas énormément de dégâts, un bon numéro qui passe, un combo. Le key, ça touche pas que Sweet malheureusement. Oh. Il est sous... Le Culling, ça fait extrêmement mal, le Mega Gnar, Vladimir en plein milieu de la Pampa, qui est obligé de disengage maintenant. Attention à Crazy qui va un petit peu trop loin. Ouais, Crazy, il a pas l'ultimate en plus, il va falloir attendre un petit peu. Tem qui a pris quelques dégâts, le boomerang qui pourrait toucher, est-ce qu'on peut follow up? C'est compliqué, Tem qui va tomber sous les coups de Winged. Et ils veulent continuer bien sûr les Jinair, ils ont le Ezreal Blue Build, il est de leur côté. Un seul Mystic Shot, un seul barrel, et on devrait pouvoir valider un kit supplémentaire. Pas beaucoup d'objectifs à récupérer sur la map en revanche, hormis des tourelles de tier 1. Mais assez intelligemment, les ES Ever avaient déjà push leur lane. Et bien entendu, la botlane push naturellement avec cet inhibiteur exposé. Un très bon combat, un résultat inespéré un petit peu. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de faire fructifier l'investissement. Ah, c'est le problème quand tu as un inhibiteur à nu, c'est que dès que tu récupères un fight, il suffit qu'il dure un petit peu longtemps, et c'est le cas dans cette game. Bah, du coup, ça veut dire que tu as une wave qui a push, tu peux pas forcément récupérer un ulti derrière. Ouais. Surtout que le positionnement des Ever est très intéressant sur la carte, c'est qu'on force en fait toutes les waves à être très très avancées dans la base des Jinair. Du coup, les Jinair à aucun moment peuvent se permettre d'avancer et d'aller mettre ne serait-ce que du map control du côté des Ever. Et c'est quelque chose qui est très bien géré par cette composition des petits nouveaux de la LCK. Ouais, on coupe vraiment la vision de manière intensive. Et ainsi, n'importe quelle phase de warding devient extrêmement dangereuse pour le coup. Et ce Lucian qui est devenu extrêmement résistant avec cette Malmorsus. Si on considère bien sûr que la majorité des dégâts qui menacent Lucian émanent normalement de Kuzan. Puisque Pilot devrait avoir beaucoup de difficultés à lâcher des Mystic Shots directement sur le Kyriade adverse. Et pour Trace et Winged, ils ont d'autres chats à fouetter entre Echo et Talia qui
qui foutent un sacré bordel, hein, tout simplement. Hein, il y a voilà. des dégâts, effectivement. Il y a beaucoup de dégâts. Tempt qui crée un chaos total dans le teamfight d'Engineer. Certes, il focus pas mal d'attention sur lui, mais c'est vrai que aider de ce écho, ça permet vraiment de briser en fait toute la composition et le positionnement d'Engineer. C'est la grosse, grosse force d'une Talia. Et voilà pourquoi j'adore qui. Je trouve que c'est un joueur qui ose parce qu'il a le Homebreaker. Allez. Voilà. Je veux dire. Tu le sens, les derniers. Quelle est la dernière fois on a vu un Homebreaker? Ah, c'est juste génial. En plus de ça, avec maintenant la réduction de délai sur les objets activables liés à la Sightstone rang 2, moins 20%. Ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus intéressant. On sait qu'il y a énormément d'équipes qui choquent justement sur les prises de T3. Ouais. Parce qu'elles ont beaucoup de mal. Parce que vous remarquez évidemment, c'est impossible de flanquer. La Talia, le wall est bien positionné, le Homebreaker qui devrait être utilisé, voilà, c'est fait. C'est pas mal du tout. Et le Homebreaker, voilà. On va ramener 13, il n'y a pas encore le Mega Gnar, la montée de fer. C'est Blaze qui va tanker la tour. Crazy, qui est très loin. Très bon local qui va prendre le kill, et Moplex qui fait un passage de local qui retourne, il temporise au maximum. Et c'est très bien vu, Crazy, qui peut aller chercher peut-être ce Ezreal. Non. Ah si, le flash in. Il va le chercher. Pilot qui va s'en sortir. Il a encore une barre de vie complète. Deux. À faire proc. Deux barres de vie complètes. Parce que d'ici là, il aura probablement récupéré son ulti. Et les ES Saver qui continuent sur leur push. Un superbe dive mené à la baguette par un qui nous aura invalider cette tourelle durant l'agression, d'énormes dégâts émanant de Tempt. Et finalement Pilot qui reste en vie et qui prend le gardien de la fontaine. Ouais. Il est là, oh ça devient un peu difficile quand même à terminer. Hein. Ah il y a moins de creep, ça sent. Ah on peut plus. Ouais, on va devoir prendre la tour. Belle défense de Pilot. Attends. Voilà, il faut quand même partir à un moment donné. Ça suffit. Hein. Évidemment si on se fait ace juste derrière et qu'on perd le baron. Et que les Djinners récupèrent 8 tours, hein, étant donné qu'ils n'en ont pris aucune jusque-là encore, ça ferait quand même mal au cœur. Ouais, ça semblerait compliqué quand même pour les Djinners de réussir à faire ça en un seul teamfight en tout cas. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas des Djinners qui montreraient voilà, un comeback de l'extrême, même si là, deux inhibiteurs down, un troisième inhibiteur à nu, et des Ever clairement dominateurs, parce qu'ils sont quasiment 24 gold d'avance quand même. Bon, ce n'est raisonnablement pas réalisable. Ça me semble compliqué. Vu la composition. Je veux dire, si on avait une Sivir et un GP, ok. Ok, tout est possible avec Sivir et GP. Tout est possible. Mais là, deux waves de Super Mignon avec le wave clear d'un Ezreal et d'un Vlad sur des Super Mignons, c'est un petit peu trop faiblard, je pense. Et on va être torturé entre justement la volonté de contester ce baron, défendre la base, gérer le TP advantage, faire attention à Talia, faire attention au mur de Talia, faire attention à qui, faire attention à la convergence, faire attention à tout. Je pense que malheureusement pour les Djinners, il est beaucoup plus rentable de focus sur la prochaine partie. Ou alors tout simplement de all-in sur un cambriolage. Ouais, c'est ça. Franchement, tu tentes le dernier teamfight, est-ce que ça passe ou pas, et au pire tu FF, c'est vrai que les équipes ont assez peu oui. cette tendance à. Si tu ne peux pas être aussi fort que triche. Tout simplement, triche. La fromagence, la voilà. base. Et qui fait un bon travail ici pour zoner Wing. C'était un petit peu trop early, il y a une opportunité pour Wing malheureusement. Est-ce qu'il va pouvoir la saisir? Non, malheureusement. Wing qui va se faire détruire du coup par Tem. Flash d'ailleurs de Tem qui va se faire Waouh. C'est très très bon ça. Très très bon pour Engineer justement. Bon, Crazy qui reste en ville avec Golden Angel. Double qui va récupérer par Kuzan, on en a parlé. La fromagence du teamfight. Et les Djinners qui le réalisent ce comeback après leur base est extrêmement assiégée, elle est même en danger cette base. Les tourelles Nexus ont du mal et elles vont toutes les deux tomber. Williams effectivement prise de cette dernière tour d'inhibiteur. Les Djinners qui certes réussissent à punir cette prise de Nashor, mais à quel prix? Au prix de leur tour d'inhibiteur, de leur tour de Nexus même, qui a un inhibiteur un peu plus gros. Et on a surtout gardé une main du baron. Chez ESC, elle est sur Rek'Sai. On voit ici ce fight, très belle transition, on s'empale littéralement dans un Mega Gnar. Tout le monde a dash au milieu d'un Vladimir qui fait « Ah !»
Bienvenue. C'est parfait. Je vous propose de goûter ce mon plat principal, les moplagues. Voilà, vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, il est légèrement salé. Ça fait une trentaine de minutes que je suis en train de me fighter contre un écho qui court beaucoup trop vite pour moi. Ça m'a grave saoulé. Vraiment, je vous mets tout. Effectivement, ça passe plutôt pas mal ce combo, hein, Vlad Gnar. Dommage qu'on n'ait pas eu, justement, tu parlais de cette synergie tout à l'heure entre Talia et Gnar. On aurait peut-être pu la retrouver sur un mauvais mur, finalement. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Genre, le premier dive sur Gnar m'a fait un peu peur. Quand j'ai vu le mur se former, je me suis dit, oula. Oulala. Tu donnes quand même un petit peu le bâton pour te faire battre, là. Ça risque d'être difficile, quand même. Allez, dragon ancestral, on récolte tout. Et le joueur le plus puissant de la faille, c'est Blaise, maintenant. Regardez à quel point cette Rek'Sai est massive. Ouais. 6 slots. Il est full stuff, tout simplement. On a Flame Horizon Winged. Après, du côté de Tempt, on est pas trop mal aussi. Hein. C'est vrai qu'on est pas mal. Riley, Morello, un petit rabalon ici pour faire plaisir. Ah, Kuzan a très bien suivi lui aussi à 400 CS maintenant. Malheureusement, il a un point faible. C'est un Vladimir. C'est... Donc il ne scale pas aussi bien, malheureusement. Il va manquer aussi un petit peu de range dans les teamfights, même si Loken n'en a pas forcément énormément. Par contre, attention, la culling fait beaucoup de dégâts. On va prendre le kill directement. Loken qui va se faire go in par Wim, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas les dégâts pour le détruire, Loken. On ne peut rien faire. Et il se balade, double kill. Est-ce qu'on pourrait chercher peut-être un triplé? L'hémoplay qui va toucher. Et il a été volé, mais finalement, ça ne va peut-être pas s'arrêter ici. Loken qui continue à assiéger. Oh, les Jiner, est-ce qu'ils peuvent leur... Oh, les limiteurs qui respawn. Les Jiner ont définitivement le destin qui leur sourit. Mais la défense de ce Nexus ne sera pas réalisable avec un dragon ancestral et les ESC Ever qui égalisent le BO face à Jiner. Ouais, on est vraiment dans le... Avec, ouais. Le scénario connu de ces Ever contre Jiner. Avec une game légèrement plus rapide quand même que la dernière fois, c'était 42 minutes je crois, la deuxième game. Là on était à 38. Sympa. Bonne agression quand même de la part des Ever qui montrent qu'il faut pas les laisser à part quoi. On est mine de rien sur une game de 38 minutes, mais on se rappelle un petit peu comment elle a commencé. C'est-à-dire que les ESC Ever ont pris un avantage monstrueux dès le début de partie et ouais, à moins de 2 minutes, on était déjà à plus 5K. Ouais. Finalement arrivé à prolonger jusqu'à 38. Réussite de Jiner ou manque justement de capacité de conclusion pour les ESC Ever. Quoi qu'il en soit, ça reste tout de même une victoire et ça reste d'ailleurs leur 16e victoire du split qui malheureusement ne les sauvera pas de leur destin. Ouais, là ils sont en relégation. Quoi qu'il arrive, les Ever, il fallait mettre ce 2-0. C'était important. Waouh. Les dégâts extrêmement impressionnants de la part de la Talia de Tempt. Mais encore une fois, Pilot hein, qui surprend tout le monde. Après, il a du POC, donc c'est vrai que avec un Ezreal, c'est plus facile, on va dire, de mettre des dégâts en continu. C'est vrai. Alors que du côté de Laken, à peu de choses près, les dégâts, tu les mets surtout sur les phases de fight. C'est moins régulier. Mais c'est vrai que Pilot, il reste quand même très solide. Il fait un BO plus que correct. Il est toujours top DPS de son équipe et quasiment même d'ailleurs à. Voilà, avec un avantage de 30% par rapport au second. Donc. Ouais. C'est quand même assez révélateur. Travail de qui cette game hein, qui récupérera certainement un MVP. En parlant de MVP, eh bien on le verra juste après notre retour de pause. Mesdames et messieurs, on vous laisse avec les highlights ES Saver contre Jiner. Ce n'est pas terminé, un partout. La game 3 arrive juste après ça. A tout de suite sur Eurogaming. Calling you.
아 근데 이 안타깝게도 이 경기가 네. 말이죠 화요일 경기였어요. 아... 그래서 선수들의 보이스를 들을 수가 없습니다. 그렇습니다. 아... 그 의문사 장면 또 갱플랭크의 백도어 장면 선수들이 어떤 얘기를 했었냐 궁금하신 분들이 많으셨는데 그래서 저희가 한번 네. 연출을 해서 네? 대신 해드리도록 하겠습니다. 저 얘기는 못 듣고 왔는데요. 아, 그냥 해보세요. 알겠습니다. 네, 자. 나 넥서스 치고 있어, 나 넥서스 치고 있어. 더 쳐, 괜찮아. 지금 괜찮아. 나 이거 정면 돌아와, 곧 돌아와, 돌아와. 돌아와, 그래, 돌아와. 괜찮아, 더 쳐봐. 간다. 간다. 깬다, 깬다, 깬다. 아, 뭐하냐. 뭐하냐. 안 하는 게. 앨리스도 해요? 앨리스. 뭐죠? 손발이 올라가세요. 야, 윙대 빨리 가서 백도어 못 오게. 내가 몇 대 치면 이길 수 있어. 기다려, 빨리 가, 이길 수 있어. 기다려, 빨리 가, 기다려. 빨리 가. 어? 넥서스만 쳐, 넥서스만. 나 왜 죽어? 버그 아니야? 야, 너 왜 죽었어? 버그 아니야, 이거? 버그? 제 경기. 아, 짜증. 빨리 심판한테 물어봐. 죄송합니다. 잘 편집하면 잘 나올 것 같아. 그럼요. 예, 심판한테 물어봐, 가자면. 네. 잘 봤네. 기다려 봐, 이거. 바로 오겠다. 바로. 이게 뚫리다, 이게 뚫리다. 아 그거 못 맞겠다. 그거 못 맞겠다. 그거. 못 맞겠어. 이겼다. 이겼다. 나이스. 아 씨, 힘들어 이거. 감사합니다. 아 힘들어. 두 손으로 할 만한 때가 있죠 이번에. 형이 잘 만한 때 이거. 아 형이 잘못했잖아요. 내가 좀 잘못했지. 안 던져도 되는 건 어떤지 모르겠어. 아 힘들어 진짜. 자 NCK의 말이죠. 해퍼가 등장했다고 합니다. 네? 해퍼! 삼성? 여러분들이 생각하는 그 해퍼 말고 오랜만에 삼성의 해퍼 선수가 등장했다고 합니다. 흠으로. 네, 이름 때문에 또 많은 분들이 주목하고 계실 거예요. 그렇습니다. 너무 그렇다고 이름 때문에 싫어하지 마시고요. 예, 그분이라고 뭐 그렇게 짓고 싶었겠습니까? 이럴 줄 알았겠습니까? 해퍼 좋잖아요, 도움이. 그럼요. 도와준다. 제가 알기로는 그분이 먼저 그 아이디를 선점했어요. 그럼. 네. 해퍼 쓰니까 이겨야 되는 거 아니냐? 그러니까. 삼성 해퍼 썼는데. 해퍼 썼는데 지면 안 되지. 그렇지. 예. 삼성은 해퍼 쓰는 이상 이겨야 됩니다. 네. 무조건 이겨야 돼요. 아, 지난주에 말이죠. 안타까운 네. 소식이 있습니다. 아, KT의 하찬희 선수가 부상을 당했다고 합니다. 무슨 부상이에요? 뭐 손목도 안 좋고 뭐 이런 건가? 아, 그게 아니라 하찬희 네. 선수가 비 오는 날 슬리퍼를 신고 가다가 네. 넘어져서 다리 부상을 당했다고 합니다. 네. 하찬이 이러다가 SK 하찬이 하는 거 아니야? 죄송합니다. 하찬이 이러다 SK 하찬이? 재밌지 않니? 계속해봐. 아무튼 하찬이 선수 빨리 완쾌하시길 네. 바라겠습니다. 여러분들 비 오는 날에 슬리퍼는 위험합니다. 조심하세요. 네. 큰일 납니다. 네 이번 썸머 시즌에 강팀 SKT를 꺾으면서 화제에 오른 세 팀이 있습니다. 바로 아프리카 ESC 에버 진해요. 하지만 이상하게도 SKT를 꺾고 그 다음부터 내리연패를 당했어요. 그러니까 뭔가 이게 저주 같은 게 있는 건가? 그래서 많은 분들이 일명 SKT 저주 메타 혹은 북산 메타 이렇게 부르고 있습니다. 그래서 SKT를 만나면 네. 져야 돼요. 이기면 연패하니까. 뱅이세요? 아 과학적입니다. 굉장히 네. 과학적인 얘기야. 뱅도 그런 얘기를 했습니다. 탑에서 죽으면 이득이다. 그거는 뱅이니까는 얘기고 SKT도 이기고 더 열심히 해서 나머지도 이기면 되겠죠. 알겠습니다. 네, 아, 이렇게 해서 오늘 위클래식이 소식은 여기까지인데 오늘 뭐 함께 하셨는데 어떠셨어요? 뭐 일단 어떤 팀이든 저를 만나러 오는 일은 없어야 될 것 같고 그리고 뭐 김윤주 캐스터도 근심 걱정 많으시잖아요. 윈터 시즌에 제가 왜요? 아, 네 본인도 이제 아 예식이 뭐 끝나면 없으니까. 없어요. 그러니까 초심을 다시 되찾고 클래식에도 없어요. 이제. 뭔가 열정적인 모습을 보여줘야지. 지금 정규 시즌 힐에 남았고 내년 시즌 어떻게 될지 모르는 상황 아니에요. 이거. 맞습니다. 더 열심히 해야죠. 그렇죠. 네, 열심히 하실 거죠? 저는 원래 항상 열심히 해요. 저 항상 열심히 합니다. 네, 항상 열심히 해요. 내년에도 위클래식K가 네. 다시 나오게 된다면 아마 제가 있지 않을까 생각을 합니다. 무슨 자신감이죠 그거는? 아니면 말고요. 던져놓는 거죠. 위클리 SK 위드 단구 그거 바꾸는 거 안 건드려요. 자 위클리 SK 네. 내년에도 연락 주세요. 함께 네. 하겠습니다. 내년에는 아 잠시만요. 마지막 거 아니에요. 내년 인사 나오고 정신 차려. 여러분들 오늘 위클리 SK는 여기까지고요. 다음 주에 위클리 SK 이번 시즌 마지막 방송으로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 여러분들 다음 주에 또 만나요. 안녕. We'll be right back.
Et bienvenue mesdames et messieurs, on est toujours sur Gaming, toujours pour cette dernière journée de saison régulière de LCK et toujours avec Tech Tech et toujours avec Giner aussi, toujours Giner et les Ever. Effectivement, troisième game de ce BO qui nous a réservé quelques surprises mine de rien et ce sera Temple N. Alors, je tiens à dire que qui a été bien plus un joueur clé de ce, oui, de ce BO. Sans jeu de mots bien sûr, ridicule, mais c'est vrai que après tout une Talia ça apporte quand même plus de beauté. Voilà, plus de beauté dans le jeu, voilà des petits murs qui viennent par-ci par-là, des junglers qui se font tuer dans leur propre rotation lorsqu'ils sont à 30% de points de vie. Des top laners, regardez ici les combos qu'il arrive à placer, hein, notamment sur Trace. Et c'est Zesquive très clutch qu'il a réussi à nous sortir. Mais c'est vrai que le supporting est souvent bien trop overlook. Et pour, ouais, le coup, qui honnêtement, je pense que qui a vraiment fait un travail. Il a été plus impactant que Thème dans la game. Non pas que Thème était mal joué, attention. Je suis pas en train de lui retirer des points de MVP qu'il mérite. Simplement, je pense que qui les méritait encore plus. Disons que faire ce qu'il a fait avec un Alistar, c'est quand même beaucoup plus difficile que, voilà, lock des gens avec une Talia lorsque tu sais que personne n'a véritablement de dash. À chaque move, c'est qui ouais, voilà, qui est à l'origine du move. C'est qui engage et l'autre qui vient gratter, en fait, hein, finalement. Donc, bon, c'est pas grave, ça fait quelques points de MVP pour Tempt. Alors, il n'y a pas du tout de course, hein, au niveau des joueurs qu'on a avec nous dans ce BO. Mais le prochain, oh le prochain, il y aura une belle bataille. Oh, oh. Et on fait rentrer Shay. Ok. Pas trop d'accord, je vois pas tellement ce qu'on a reproché. Ok, Sweet qui n'a pas convaincu. Ouais. Bon. Ouais, je l'ai trouvé plutôt solide, moi, personnellement, le Sweet. Il se fait un petit peu attraper avec son Trundle. C'est vrai qu'il a pas forcément été aussi efficace. Sur la première game, par contre, il a été plutôt bon. Ouais, après, ça reste quand même l'impact d'un Trundle. Je veux dire, c'est bien souvent, en plus de ça, un pick qui retombe dans les mains du support parce que on le valide, on veut le mettre top, on veut le mettre bot, on sait pas encore. Et ah, il y a un mauvais match-up. Et bah, hop, on le flex. Et le support a pas tellement son mot à dire, j'imagine, dans cette situation-là. Ouais, après Shay, qu'est-ce qu'il peut apporter en son équipe? Quel est son profil, sa spécialité? Il a un peu plus de variation dans ses picks, notamment il a un bard qui est plutôt correct, une très bonne Zyra aussi. Ah, attention, un bard dont nous avons déjà un maestro du bard en face, qui d'ailleurs n'est pas parti dessus dans les deux premières games. Ça pourrait se tenter dans la troisième. Allez, la phase draft commence. Nidalee plus Vladimir Malzahr, chaîne de ban pour le moment. Ah ouais, le chaîne de ban d'ailleurs du côté des Ever, on va pas laisser Trace sur un pic un peu trop violent. Et Tempt, voilà, qui n'aura pas le 100% de pic d'une Talia sur ce BO. On n'ira pas jusque là. Les génères qui ont senti quand même la. Oh, par contre, le risque. Peut-être son Varus qui va rester disponible. On sait que c'est son pic de cœur. Et on sait en plus que les Ever sont capables de faire ce fameux Varus Jhin. Oui. Qui pourrait être complètement décisif. Et le first pick pour les Jhinnaires, il rassure beaucoup, c'est Trace qui sera sur Gangplank. Trace qui avait montré un très bon Gangplank sur la première game. Il l'avait remporté d'ailleurs, il avait été bien meilleur que Crazy. En tout cas sur les timings d'agression sur les barils. Après, le problème de prendre un GP comme ça en first rotation, c'est que c'est très bien que tu vas le offrir un Echo ou un Gnar. C'est ça. Qui vont être très confortables sur leur phase de laning. Apparemment, on l'accepte sans souci. Après tout, s'il y a bien un top laner qui peut faire beaucoup en mourant un petit peu, c'est bien Gangplank. Vu sa capacité à justement atteindre son power spike contre vents et marées, contre camp et deny, contre swap lane et autres joyeusetés, un coup de baril et c'est terminé. Oh, je vais avoir l'info que Uzi vient de récupérer son 1500. Ah, ça y est! Ça y est! Alors, il jouait quoi? Il jouait Ashe. Il jouait Jhin. Très déçu. Il jouait Jhin. Bon, jouait moins Jhin. Déçu. Il jouait Jhin, voilà. C'était contre du coup les Incredible Miracle en Chine. Ah, ça fait plaisir de voir tous ces joueurs qui commencent oui. Tu vois, l'apparition des kills. Alors pourquoi est-ce qu'en Chine aussi il y a plus de kills qu'ailleurs? Parce que la saison dernière ils avaient à peu près 10 fois plus de games que n'importe qui. Ça peut s'expliquer aussi par ça. Mais c'est vrai que voilà. C'est des cyclotouristes de LOL. Genre, c'est pentu les mecs, c'est pentu, on y va. Eh, pas de soucis, hein. Il n'y a pas de problème de moteur dans le vélo ou quoi. Non, non, c'est tout à l'île de coude. C'est vrai que 1500 kills fait beaucoup, hein, pour vous donner un élément de comparaison. Double lift
a eu son 1000e sur le dernier match de saison régulière Summer Split. 1000. Et Ozzy n'a pas joué tous les matchs de l'APL, loin de là. Forcément. Et c'est quand même le premier à l'obtenir. C'est impressionnant. Ouais, effectivement. En même temps, entre les deux dernières années, je suppose qu'il en a fait 1200. Vu à quel point c'était le god. Vu à quel point si la Chine donnait cette possibilité aussi de faire oui. quelques kills quand même. Une région très agressive et Une région toujours carré à décentrique qui first pick Maokai. Ah c'est ça, ouais. Ils ont leur style. Voilà, ouais. Et on verra quel sera le meilleur lors de la confrontation. Mais ça ne nous intéresse pas particulièrement pour le moment. Plutôt le draft des Jiner qui est intéressant avec Rek'Sai et Tam Kench. Avec les deux positions. On soif quand même en termes de sur les carry. De présence sur la map, en fait on change un petit peu les rôles, parce qu'avant c'était quand même les Ever qui avaient cette présence globale en fait. Mm-hmm. Et là on a GP, Rek'Sai, Tam Kench, j'allais dire trois champions qui peuvent avoir une présence globale potentielle. Il manquerait plus peut-être une Lissandra pour Kuzan qui l'a joué sur la première game. Et avec un petit TP, histoire de vraiment appuyer énormément là où ça fait mal, du côté peut-être de la duel lane de ces Ever. Ou même d'aller empêcher ce Echo de faire la loi. Oh, il va le faire aussi, justement, j'allais te poser la question. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une bonne idée que de sortir Lissandra dans une telle composition ESC ? Dire entre Alistar, Karma et Echo, les tombeaux de glace, c'est quand même assez difficile à placer. Il va falloir trouver lequel, quoi. À offrir un kill. Ouais, après, il va quand même offrir un bon à cette zone. Mm-hmm. Intéressant, ça va offrir surtout une bonne pression en fait en mid-game, on l'a vu sur la première game du côté des Jiner. Cette Lissandra faisait suffisamment peur en fait pour que les Evers ne puissent pas partir à l'agression. Et ça fait le jeu des Jiner qui aiment bien jouer justement le late game. Ça va faire le jeu de Pilot surtout. Pilot qui va avoir vraiment beaucoup d'espace pour placer ses floraisons mortelles et son lever de rideau. Parce que à moins qu'on ait un changement drastique au niveau du draft ESC, on n'a pas vraiment de gros divers. En tout cas un simple Echo ne fera pas face à Jin Tam Kench. C'est tout le problème. Il y a un Alistar pour temporiser éventuellement du côté de Ki. Après, faut voir si ça peut faire la différence. Et on se réserve la speak du coup pour la jungle. La speak de Gragas, ça n'arrive pas souvent. Ouais, c'est vrai que... Est-ce qu'on se laisserait pas tenter par un Ekarim ici, si on en croit le fantôme? Ouais, ce serait intéressant, avec la Karma en plus. Du coup, on aurait une grosse pression à apporter, notamment sur ce mid-game où Lissandra fait peur. Et Karim aussi fait très très peur avec un shield de la Karma. Il a après garanti de ne pas se faire one shot par la Lissandra, il peut mettre de la pression. Ah, ce sera un Gragas donc. On va rester safe. On va rester safe en effet. Et puis après Gragas c'est quand même un champion extrêmement fort contre Tam Kench, hein, puisque même s'il dévore son coéquipier, tout simplement. On peut ramener les deux. Voilà, on peut ramener les deux, faire directement une double off. Et avec la revalidation de Ki derrière avec l'atomisation. On a des solutions, par contre on a une mid lane beaucoup moins entreprenante qui sera plutôt dans un registre défensif ici et avoir un tel comportement en lane face à un Kuzan qui encore une fois avec son pic de niche hein, son pic de spécialisation la Lissandra ouais. qui va beaucoup dive, beaucoup roam, qui joue avec un téléport, qui force la cleanse justement sur Karma pour éviter les combos one burst en synergie avec Rek'Sai. C'est assez intéressant l'utilisation que les Jiner font de la Lissandra. D'habitude les équipes utilisent la Lissandra parce qu'ils veulent jouer une composition de lock mid game avec beaucoup de dégâts et une espèce de d'ultra snowball en fait après ouais. des 20 minutes de jeu. On passe à travers tout. C'est ça. Mm-hmm. Et du côté des Jiner on l'utilise plus comme un espèce de. Tu sais comme une arme de destruction massive. Tu sais, juste dissuasion. Voilà, mmh. Attention, on a une Lissandra, tu peux pas te battre. C'est un peu comme si t'avais un galon dans ta poche. Ouais, c'est ça, c'est. Tu peux pas te battre, on a une Lissandra. Du coup, on va attendre le late game et on va pouvoir aller chercher la fin de la partie. Mais c'est ça le secret des Jiner, les salauds. Ils ouais. prennent un pic pour chaque timing de la game, en fait, finalement. C'est ça. En early, non, on a ça, c'est mort. Non, on a un game, early, ça, non, tu peux pas. On peut pas non plus. Tu peux pas, on a Lissandra. Ouais. Et après late game, tu peux pas, on a Jin Gongplank. Enfin, réfléchis à ton draft. Bien essayé, hein, bien essayé. Ça marchera pas. Et l'avancée du bluff. Mais le bluff, ça peut tenir. On va voir si les Jiner vont parvenir à conclure leur BO face au Ever. Un partout entre les deux équipes. Un petit pronostic pour le dragon. Trop tard. Et peu, ce sera un dragon des montagnes. Pas le temps de faire le pronostic, effectivement. J'avoue qu'on l'aura vu déjà sur la game précédente. Du coup, j'aurais pas donné le dragon des montagnes. Non, j'avoue. Je sentais bien un petit infernal là pour pimenter un petit peu cette partie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que l'infernal peut aller emmener des belles actions. Hier, c'était fou. On avait que des dragons des nuages. Complètement fou.
3 d'affilée dans 2 games. Ah, il avait envie. C'était un dragon, voilà. Il s'est fait patcher. Ah bah, il y avait un Karim, il était content. Il était très content. Moi, je pense quand même que le jeu incite certains dragons à apparaître selon les pics dans la game. Ça m'étonnerait pas. Tu penses qu'il y a une ligne de code secrète ? Je pense, en fait, de manière générale, cet aléatoire des dragons, il est contrôlé. Et en tant que game designer, tu peux pas te permettre de mettre un RNG qui est totalement aléatoire. Tu veux la contrôler pour essayer, en fait, d'assurer une expérience de jeu qui est optimale. Et je pense, du coup, qu'il y a des manières quand même de contrôler l'apparition de ces dragons. Je pense aussi. Après, c'est vrai que Riot a toujours été très opaque hein, quant à leur gestion du game design. Ah bah, ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Parce que sinon, bah, vu le nombre de MOBA qui pop, t'imagines s'ils commençaient à révéler leurs petits secrets. Ouais, la formule, c'est ça, les gars. Okay. League of Legends 22000 avec Sangoku et Vegeta botlane avec Naruto mid. Yo, ça va les gars? Attention, flash check. Oh, attention, ils sont pas qui prend pas le dégât de déboration. Instantanément le Shay. Vous êtes très très loin la légendaire, c'était assez étrange comme invade. Surtout de plein fouet comme ça avec un combo si faible en 2v2. Ah, qui pourrait s'attraper là? Attention, une petite assimilation de plus peut-être. Sachant qu'on a un Loken sur. Sur Lucian, du coup, un pick et un champion, enfin un joueur qui peuvent être très dominateur en lane. Oh, le rebond. Tu vois que ces joueurs ont quand même une synergie jusque dans la couleur de leur champion. Ah bah oui. Golden Alistar et Chromaki Lucian. En fait, on est du côté des Jhin Air, on est plutôt dans les tons orangés. C'est ça. Orangé bleu, voilà les couleurs complémentaires en plus. Hein. Ah, c'est vrai qu'ils sont assortis eux aussi. Il y a une recherche, on sent. Voilà, du côté de ouais, lane, il y a quelque chose qui se crée. Quoi. C'est super mignon. Allez, phase de lane qui sera extrêmement passive, hein, bien sûr, pour les Jhin Air. C'est pas du tout à leur avantage pour le moment. Pas de swap lane, du coup, on va pas rush des gold. Et ça risque de. Voir une game qui risque de traîner en longueur sur les 15 premières minutes. À moins que les junglers prennent l'avantage de ne pas avoir à aider leur laner pour aller essayer d'appuyer sur les low mid lane par exemple. Et un an plus tard, ils se rendent compte que le match-up jungle est encore Rek'Sai Gragas. Et décident de mettre fin à leur joie. C'est vrai que pas de Elise, d'Anida full ban. On a beaucoup tourné entre les picks jungle. Un petit Ikari. Et finalement, on en revient. Pas de variation. On en revient à Rek'Sai Gragas, les god tiers. C'est compliqué de faire mieux en fait. C'est les kits, hein, les kits de sort qui sont trop intéressants. Trop intéressants. D'avoir du contrôle aussi efficace aussi tôt dans la partie, avec les dégâts derrière pour y pallier et une grosse capacité à clear. C'est vrai que à côté un Rammus ou un Lulu, bah, ça tient pas la différence quoi. C'est bidon. Voilà, c'est bidon. Tu peux pas. Ouais, la jungle un petit peu. Oh, mauvais timing sur la griffe. Mais la jungle qui voilà, ne donne pas non plus d'opportunité à tous. Au niveau compétitif bien sûr. Parce qu'on remercie suffisamment les. Jungler inexpérimenté en game pour nous régaler de leur surprise. Allez, Kuzan. Kuzan, ça a l'air plus difficile que prévu ici. Hein. Plus bah, de potions. C'est la progresse de l'Est quand même. Lissandra en lane, c'est quand même assez faible au final. Les coûts en mana sont assez immenses. Et contre une Karma qui, elle, par contre, a un niveau 1 extrêmement puissant. Parce qu'elle a déjà son R en fait actif. Ouais. C'est vrai que ça permet de mettre une grosse. Oh le salaud! C'est tellement malin ce qu'il a fait. Ça deny le creep, ouais. D'ailleurs, on pourra plus le faire maintenant. C'est fini! Ça a été patché, on peut plus chiffrer les creeps. Attention, Wing de sur le top side crazy est condamné. Flash du gros follow-up avec le flash and burrow de Wing, les dégâts sont bons. Et on va laisser ce first blood pour Trace. J'en parlais, hein. C'est une ligne qui pouvait être très passive, à moins que les junglers s'en occupent. Et écoute. Un timing assez particulier sur le gank, hein. 4 minutes 40. Ouais, c'est vrai que c'est. C'était assez lent, pas étonnant que ça soit fait crazy. Un clear et demi en fait. C'est ça. Assez bizarre. C'est un petit peu ce que peut se permettre Rek'Sai, hein, vu que bonjour, pas de mana. Ouais. Mais pour le coup, effectivement, Crazy qui, très certainement ici, hein, vu la situation dans laquelle il était, voulait juste la dernière wave et faire un back TP. Il le sentait que c'était dangereux parce qu'il avait plus de mana non plus, donc c'est vrai que c'était très très délicat. One last wave. La fameuse. C'est bon, les gars, je prends juste cette wave et promis, je back. Quand tu back, tu vois la wave arriver, t'es là. Mais oui, c'est une vague canon, non! Je reste. Et tu meurs. Parce que le canon, c'est lent à tuer quand même, au niveau 1. Ouais. Très très lent. Et le jungler, lui, il est pas lent à venir te chercher. Non, non. Faut essayer de te punir. Et le jungler est d'ailleurs le champion le plus fort du jeu au début de partie. Ouais.
champion qui passe le plus tôt au niveau 2. Ouais. Qui amasse énormément d'argent rapidement avec des items aussi qui sont bien plus efficaces. Bien plus efficaces, on est d'accord. Cette griffe cette fois-ci ne sera pas loupée. Et ça coûte énormément de mana la griffe de Lissandra. Et du coup, en fait, sur la longueur, Tept va forcément tenir, sortir gagnant de cet affrontement. C'est dommage qu'on soit parti sur un build Gralimpi d'Athènes. Peut-être qu'une orientation Morello aurait pu être plus sympa pour un peu abuser de Kuzan. Ouais, après, vu l'état de forme de Loken, ça peut se comprendre aussi à essayer de le mettre en confiance. C'est vrai. On a un écho en plus, donc vraiment on a deux porteurs de Graal qui peuvent être très intéressants. Et un petit combo, Tamkench dévoré, on réengage, c'est tranquille, c'est safe. C'est frustrant également, certainement pour qui. Mais ça reste le Kench. Allez, encore un lien qui passe, on est derrière les minions. On s'est bien positionné là du côté de Kuzan du coup. Oh, attention par contre, le tombeau de glace instantanément et Tep qui va utiliser sa Klitz. C'était bien vu, il y avait l'arrivée de Wing pas trop loin. Blast du coup qui va essayer de prendre le trade. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée contre une Rek'Sai. Oh, je suis explosif, ça ne passera pas. Flash in de Tep, est-ce qu'on va mettre le route peut-être. Le follow-up, le coup de bidon, ça passe. Est-ce qu'il va tomber? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'ira pas jusqu'au bout. L'ultimate de Gangplank qui fait énormément de dégâts et force le flash out de Bless. Oh, il est. Oh, il a pas le droit. Oh non, là-dessus, Wing, oh, il a pas le droit. Tu vois, c'est presque c'est pas juste quoi pour les Evers qui ont vraiment tout mis. Ouais, juste cette Rek'Sai, mais ça ne suffira pas et on va perdre un flash pour tête avec sa karma. La réussite. La réussite. C'est clairement ça. Ouais. Intéressant, très ce jeu avec une poigne de l'immortel dans son match-up. Ah, ouais. Pas avec un décret du Lord fulminant. C'était un build qu'on a pas mal connu sur les GP à l'époque où la poigne de l'immortel était bien plus efficace en termes de sustain. Oh, c'est bien vu la part de Crazy ici, en plus la convergence avec le shield, est-ce que ça peut suffire? Non, je pense qu'il est mort. Le passif, enfin, d'aller coup de pétard, flash spell, oui. 13, voilà, qui va prendre la vie de oh, attention Pilot qui se fait surprendre lui aussi avec un flash combo instantané, on va tenter de lock Loken sur la tourelle, mais ça ne sera pas suffisamment rapide. Loken, le SAVR qui assassine. Il n'a pas hésité à flash pour repositionner sa culling, sur de mettre le plus de dégâts possible sur Pilot qui va tomber, il s'est fait abandonner quelques secondes par Shay et ça suffira. Pour récupérer un kill. Forcément. 2 kills à 1. Pour l'instant, pas d'avantage majeur à récupérer hein, pour l'équipe. Pour l'équipe ou l'autre. Même pas 1000 kagol d'avance pour les engineers. Deux compositions qui vont scale à peu près sur des timings pas similaires, on va dire. Peut-être un petit peu accéléré pour engineer finalement. C'est vrai qu'un gangplank à 2-0, c'est quand même. Même si l'avantage ne se ressent pas trop en termes de gold globaux. C'est vrai que ce gangplank à 2-0, ça fait toujours très peur. Ouais, il va vite arriver sur sa trinité. Et du coup, en fait, si Trey c'est le premier personnage à récupérer un item T3, c'est sa trinité. C'est vrai qu'en termes de différentiel d'efficacité par rapport à n'importe qui d'autre, il va être catastrophique. Crazy, par contre, il fait un très très bon travail de deny des barils. Il est plus rapide que le GP là pour le coup. Il est beaucoup plus rapide, malheureusement, il ne peut pas faire grand chose au spam de pourparler dans le visage avec Proc Brillance. Il peut activer sa potion de corruption. Voilà, c'est à peu près la seule option qu'il a. C'est le counterplay. Il est ici. Allez, un petit lien fin intérieur. Peut-être un deuxième. On n'a pas cette CDR. Au moins, il va pas se passer grand-chose ici, hein, normalement. Quoique. Avec une bonne synergie entre Karma et Gragas, il y a moyen de surprendre la griffe. Ouais, et puis il n'y a plus de cleanse, plus de flash aussi sur tête. C'est vrai. Aussi. Du coup, avec l'arrivée de la Rek'Sai, on pourrait peut-être chercher quelque chose. Ouais, la cleanse revient vite quand même. Ouais, la cleanse, c'est vrai que le timing va être très serré. Fenêtre d'opportunité assez réduite là pour Winged qui en plus n'a pas forcément envie d'aller chercher ce genre d'agression. Le buff qui va être donné à la Lissandra, il va en avoir vraiment besoin pour le coup. Kuzan qui a besoin de cette rechaîne mana, il part sur Abyssal First, du coup un build qui en donne très peu, pas séculaire. Sur une Lissandra, j'avoue que je suis assez sceptique. Sceptique, ça veut bien dire... Attends, ça voudrait dire... Que les Jinnaires souhaitent agresser et ne pas scale à outrance dans la partie. Ah, c'est impossible. J'y crois peu. C'est impossible, Tech. C'est impossible. Non, en vrai, Kuzan, vu son style de jeu, en fait, s'il produit exactement les mêmes agressions qu'il fait en fin de partie, mais en milieu de partie, honnêtement, il peut prendre les games à lui tout seul. Ouais, il pourrait le chercher, effectivement. En tout cas, contre Ever, oui, c'est sûr.
Oh, l'arrivée de Wing, justement, on en parlait. Qui va mettre l'unbureau sur Temple. Wow. Directement, les gars sont bons sur Temple avec l'ultimate du grand. Oh là là, ils sont oui, partout. La bombe qui rebondit de Pilot qui va aller chercher suffisamment de dégâts pour retirer le shield. Du coup, le kill sera récupéré par Kuzan. Excellent décalage de Pilot, je l'avais même pas vu. Moi non plus. Quelle synchronisation avec la traversée des abysses, le flash et l'agression prise par Wing sur la mid lane. Honnêtement, ici, c'était juste une très belle démonstration de teamplay. Ouais, les Dinaires qui mettent en place un jeu de rotation dont les Evers nous ont plutôt habitués normalement. Mm-hmm. Et là, j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. On met de la pression et on change complètement la phase de la game. Sur la game précédente, c'était les Evers qui étaient vraiment en domination de leur league game. Oui, et là, on sent les Dinaires confiants. 2000 gold d'avance, ensuite deux jeux. Ça commence à faire la différence avec un Trace en plus qui va... était en projeté même sur orbite par son jungler. Et il n'attendait même pas, ils n'ont même pas finalement compensé une erreur ou essayé de snowball sur une erreur. C'est vraiment les Djinnair qui ont engagé ce move. La Trinité qui est terminée. Propre initiative. Avant les 2 minutes de jeu. Ah oui, ah oui, oui, oui. Vous dites oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah oui. C'est extrêmement tôt pour un Gangplank. Avec l'abyssal en plus sur la 12 Sandra. Minutes. Kuzan qui a son TP. Le Gangplank qui a son ultimate avec sa Trinité. Est-ce qu'on n'irait pas chercher des agressions assez majeures justement sur Temp potentiellement. Le route qui va toucher, le dernier rappel du Reno qui va toucher. Flash in de Shade. Le coup de lance. Une deuxième léchouille de place pour le défendre. Passera pas dommage pour Pilot. On a centré le lever de rideau. On a mal centré pardon le lever de rideau. Donc ouais. Du coup une seule balle aura pu être tirée. C'est dommage, un Temp qui vient de récupérer son flash. Il n'aura pas pu en profiter bien longtemps, le midlaner de ses Ever. Il tombait bien quand même, il tombait bien. J'avais besoin de celui-là. Allez, Yomu, Aten, Echo Runique et Phage pour le coup. Ce sont les items complétés par les ESC Ever. Attention à qui, on va peut-être être forcé de consommer la volonté. L'unbureau qui ne passe pas, on l'a tenté vraiment au bout du bout. Peut-être la dévoration, non, il n'y aura pas jusque-là. Question pratique. Tahmkent, je dévore Alistar. Alistar presse R. Je sais pas si c'est vraiment un contrôle en fait. On est d'accord. C'est bizarre hein. Parce que non, ce serait trop bizarre parce que Alistar puisse déjà lancer un spell dans le ventre de Tahmkent et d'autre part qu'il soit capable d'en sortir. Genre, et puis après il le déchire, c'est ça, il meurt. Tu peux exploser Tahmkent, one shot. Et si tu manges Ziggs, ça se passe quoi? Il a des gaz excités, il a des écrans à l'estomac après le bon Tahmkent. T'as 5 minutes pour terminer la game, sinon Tahmkent meurt. Et Ziggs aussi du coup, ouais, malheureusement. Effectivement. On peut pas faire grand chose. Et tu finis la game à 4v4. 100 000 laners du coup, donc très à l'avantage du Tahmkent. C'est vrai qu'on n'a pas cette, mécanique du suicide rentable. Enfin, on l'a eu, mais c'était sur Sion pour qu'il fasse un camp de loup, donc je veux dire, niveau ouais. Spectacle, c'était en mode ok. Mais mécanique de suicide un petit peu comme dans d'autres MOBA par exemple. Ce serait assez sympa. Peut-être une des seules mécaniques qui n'a pas été explorée dans League of Legends, parce qu'il y en a quand même beaucoup hein, maintenant. Mécanique de pet, ça va être fait maintenant. Ils ont tenté de le faire avec Kog'Maw, mais je suis pas sûr que... Ah oui, il y a Kog'Maw aussi, mais c'est genre si, un des... Karthus, un sujet très rentable. Ah ouais, c'est Karthus, oui. Karthus, effectivement, on peut se permettre de flasher dans un fight. Karthus, c'est un champion, je pense que aujourd'hui serait assez pertinent. C'est vrai que les joueurs l'utilisent assez peu, alors que je suis d'accord avec tout toi. Tout le monde s'empale dans des compositions hard engage, avec des carrés utilitaires qui engagent à la row, qui engagent aux flèches de Sivir, etc. Mais tu fais quoi quand tu veux... volontairement, quand ton seul choix c'est de volontairement engage Karthus. Ouais. C'est... Tu sais, il est là avec les bras ouverts. Mais venez venez, câlin. Bah franchement, franchement je suis chaud. Câlin à tous, en plus avec le Riley maintenant qui donne la CDR et tout, je suis archi bien. C'est vrai que le nouveau système d'AP pour Karthus, c'est du pain béni. Tu lui fais un build à la Talia, tranquillement. Ça se passe super. Un petit séculaire Riley. Et puis bon, quelle est la dernière fois? À quand remonte notre dernier Requiem? Ouais. Bien trop longtemps. C'est ça. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu. On se rappellera toujours avec nostalgie de l'Empire. Ah oh oui, bien sûr. Voilà. Hein, cette petite phase d'agression. Mais c'est vrai, par exemple, t'imagines, tu joues GP Karthus par exemple. Mais la duel lane, elle pleure. La duel lane, elle pleure. Contre une hache, typiquement. Et puis pour GP, il n'y a rien de plus facile que de placer des barrels dans un Karthus qui slow tout le monde avec le wall et le Riley. Il est là en mode vas-y mon Karthus, mais occupe-les tous, c'est super ce que tu fais. C'est vrai que t'as un Karthus, t'as moins besoin de frontlane en fait avec un Karthus qui de toute façon va faire énormément gêner la backlane quoi qu'il arrive. Non, j'avoue que Karthus, je suis assez fan du pick.
Ah, on nous précise dans le chat que GP peut, grâce aux agrumes, sortir du ventre de Tam Kench. Donc il serait logique que Alistar puisse sortir. D'accord. Peut-être même que le Ragnarok de Olaf lui permettrait de sortir. Oui, du coup, ce serait logique. Pourquoi pas se taper une petite agrume dans un ventre d'une énorme grenouille qui a décimé le peuple de Fizz. Pourquoi pas. On vient de donner On a spoilé le lore. On a donné des idées dans le chat pour essayer de chercher des compositions rigolotes. Et j'avoue que non, le GP Garthus, honnêtement, je pense que ça peut être très efficace. GP Garthus. Il y a un combo que j'aimais beaucoup et qui a d'ailleurs permis aux Fnatic d'être champion du monde en saison 1. C'est Brand Karthus et Vladimir Karthus. Ah oui. Par extension, bien sûr, mais c'était Brand Karthus à l'époque. Tu vois bien le truc, genre ulti Brand, ulti Karthus. Mais tout le monde est mort en fait, c'est ce qui s'est passé. Les compos press R à l'ancienne, effectivement. C'est ça, à l'ancienne. Mais pas les press R difficiles. Les press R type combo Malfitoriana. Press R ciblé, voire t'avais pas besoin d'utiliser ta souris. Voire t'avais pas besoin d'être vivant. Ouais. En fait, c'est ça que je trouve génial avec Karthus, c'est que t'as beau être le pire joueur du monde, tu peux pas louper un team fight avec Karthus, c'est pas possible. Ouais. Tu mets au minimum 1000 damage. Obligé. Ouh, le cut qui est forcé quand même à la Yumu là. Les engage. Allez, positionnement assez... Avant que tu fasses one shot de très très loin et tu puisses pas t'avancer. Voilà, Jhin, je pense que c'est le cauchemar pour le coup. Ouais. Cauchemar de Karthus, Jhin. Mais attention. Vu que GP le corte. Ouh, Tempt à nouveau. C'est beau. Rapide hein, sur la cleanse. Bon, à chaque fois c'est pareil, il vient de la récupérer, il la perd. Il vient de récupérer son flash, ce qui va le perdre aussi rapidement. Juste timer leurs agressions et Jhinner 30 secondes avant. Ouais. Et on serait sur un triple kill. C'est un petit peu dommage, les Jhinner qui sont peut-être trop lents dans la... Jhinner lent, incroyable. Dans la réalisation de leur move. Oh, tu es mauvaise langue, tu es mauvaise langue. C'est des joueurs tranquilles, ils veulent réfléchir. C'est des joueurs posés. Exactement. Ils sont pas téméraires. Non. Franchement, si on devait leur mettre une qualité, c'est qu'ils ne sont pas téméraires. Ce sont des vieux baroudeurs. Ils sont là depuis longtemps, ils ont tout vu. Ils ont vu l'époque SKT, ils ont vu l'époque KT, ils ont vu les époques avec line-up A, line-up B. Ils ont vu tout ça, les Jhinner. Et il n'est resté qu'un petit noyau dur de 5 verts ailés. Et ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé d'un poil. 5 voire 6, même si on compte Shay du coup. Oui, en remplaçant. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs quand même dans cette line-up des Jhinner. On me donne des idées trop bien. Ah ouais ? J'avoue que. Je me pose la question, c'est l'ultimate de Ryze, il transporte tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que si un Nunu ou un Galio sont en train d'ulti dans l'ultimate de Ryze... Énorme. Est-ce que tu peux pas déplacer un ultimate de Nunu? En théorie, si. C'est et statique. Dans l'idéal, moi, ce qui me ferait rêver, ce serait un Ekarim qui arrive à fond et qui passe en ultimate de Ryze pile au moment où il se téléporte. Oh oui. Ce serait tellement des moves incroyables. Et tu lui fais une attaque oh, le flash, de il part pour l'agression sur Tem, qu'il n'a plus le flash, plus... Enfin, s'il avait son flash, il a pas eu le temps d'utiliser plus de blitz. Et le combo One Burst avec la Rek'Sai. Oh, ce serait trop bien. Il y a tellement de choses à faire avec le nouvel outil de Ryze. Ah, tu fais un peu une porte dimensionnelle, un petit peu comme dans les fight manga où tu vois le mec met un coup de poing à gauche, ouvre une porte dimensionnelle et ça frappe l'ennemi en face à droite. Tu vois, un petit peu comme ça. Ah, ça serait assez stylé. Parce que j'avoue, et soudainement, un Karim a pop derrière moi. J'ai pas vu de TP, j'ai rien vu. Il était déjà à pleine. Oh, attention, c'est difficile entre Trace et Crazy. Mais l'avantage est pour Gangplank avec cette early game bien trop avantageuse. Et bien sûr, l'éternel ex-drinker. Ah, ce serait incroyable. Bien. C'est vrai que là, il est plutôt bien quand même le top laner de ces Jhinner Greenwing Trace. 2-0-3, 190 de farm. Voilà une autre idée. Oh. Imagine une team composée de Kled. Ouais. Qui roule. À 4, avec un Ryze qui les attend patiemment avec le TP canalisé. Et soudainement, t'as une espèce de meute qui surgit. Des portails arcaniques à 5. Ah, ça me semble plus difficile à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut que le Ryze soit déjà positionné à l'arrivée du Il canalise son TP pendant ce temps-là, t'as toute l'équipe adverse qui, dans l'ulti de Kled, est en train de tracer. Ouais, il y a des choses à faire. Non, mais c'est vrai que cette ulti Ryze offre quand même des possibilités incroyables. Oui, c'est pas mal du tout. Parce que c'est-à-dire que ça marcherait avec Fiddle aussi. Fiddle qui commence à casser dans l'ulti de Ryze. Oui. Il se fait téléporter et après il a le téléporté de son. Oh, ce serait trop bien. Et après, quand Ryze arrive là-bas, il y a une lanterne de trash qui l'attend. Et après Tesh il grappe quelqu'un, il fait hop là. Non, en vrai il y a une mécanique que j'aimerais beaucoup voir. C'est justement cette mécanique de porte dimensionnelle. Genre tu fais une petite porte comme ça et tous les spells que tu balances,
ils sont balancés ailleurs sur la map. Comme Janus. Un petit peu. Ouais, un petit peu comme ça, un petit peu comme Janus. Cette idée-là. Exactement. Ouais, ça sera. Ce serait difficile à balance, mais. Il y a un peu le côté avec Bard, qui a son voyage magique. C'est vrai. Magical Journey. C'est vrai que si tu pouvais lancer par exemple un sort à travers le portail de Bard et qui ressort de l'autre côté avec la même distance du travel time qui reste au niveau des skill shots, ce serait assez cool. Tu verrais des techniques de bombardement ezréalien. Dans deux fois, ils font ça avec les portails des héliatropes. C'est vrai. True story. Après, c'est pas exactement le même style de jeu. Hein. C'est un tactical, c'est plus facile de compter une distance en Dragon des océans. Allez, on a mis la casquette de cambrioleur au niveau de Winged. On est prêt à surgir, on surgit immédiatement. Attention à Pilot qui meurt de position, mais heureusement Tam Kench était là. On a complètement loupé le smite. Oh, il doit, il doit tellement s'en vouloir. Bless, le flash out, plus heal. Aïe, aïe, aïe. Juste le heal de Pilot, pardon. Pendant ce temps, par contre, 13, bah c'est pas grave. Battez-vous. Je n'en ai cure. Je vais juste récupérer vos tours. Et là, c'est compliqué pour les Evers de réagir à tant d'agressions. Surtout qu'on perd le dragon. On perd le dragon, on perd le match-up top. Kuzan est un petit peu trop en mode électron libre. Oh, le TP de Kuzan. Oh oui. Et c'est sur la bot lane que tout va se passer maintenant. Loken et Kiki n'ont absolument aucune solution. On arrive à Locke. Bonjour, Loken, justement, la floraison mortelle et ça tombe. On enchaîne sur Alistar qui, malgré sa volonté de faire, eh bien tombera. 50% de réduction de dégâts. Est-ce que ce serait pas suffisant. En train de voir des Jhinner agressés à 22 minutes de jeu. Stomp, stomp, stomp même. Les Jhinner nous font un stomp. Et ça c'est beau. Rien que pour voir ce genre de choses, je suis bien aise d'avoir pu commenter cette LCK ce matin. Ah, les Jhinner qui nous font mentir. Ça valait le coup. C'est vrai qu'on a, on a été mauvaise langue. Quoi. On a c'est été vrai. Mauvaise langue sur cette Jhinner. Qui savent aussi se montrer dominateurs. Et ça se passe plutôt bien pour avec cette composition. Voilà, à base d'énormes rotations, ça s'est vu. L'Alessandra qui TP. Et une Rexha qui va suivre avec l'ultimate. On va le voyage abyssal potentiellement de Shai aussi. Hein. Leur jeu est bon car il est simple finalement. Les idées sont simples. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un top. Bah on TP tous bot et on défonce la bot lane. C'est parti les gars. C'est vrai. Effectivement, quand tu as un avantage numérique aussi conséquent, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. D'ailleurs, on a tous les flashs hein, quasiment au niveau des Jhinner. Donc on peut s'attendre à de nouveaux moves assez vindicatifs. Ouais, pareil du côté des Evers aussi, beaucoup de summoners à disposition. C'est vrai que qui n'a pas utilisé ses summoners sur cette phase d'agression. Je sais pas si l'Exhaust aurait pu sauver Loken. Je pense que personne n'aurait pu être sauvé. Ouais. Mais lui-même l'avait compris. Wing avec le brouilleur là. On a vu du coup la présence de l'Istar dans les buissons. Le combo Shrek qui est terminé sur Loken et on sait très bien que Tempt s'est sacrifié dans cette partie. Avec ce build. Oh là 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 là. Oh, Tam Kench était encore une fois présent. Shai, il est incroyable sa célébration, il arrive toujours à être au bon endroit au bon moment. Ouais, un véritable animateur de colo. qui empêche les gosses de sauter dans le vide à chaque fois. C'est un petit peu ce qu'on pouvait voir avec Thresh à une époque. Oui. C'est Thresh qui prenait. Tu sais, il avait un petit peu son équipe en laisse avec la lanterne, c'est en mode non, tu vas par là. Non, reste ici. Tu reviens. Voilà. Il y avait un petit peu la même chose aussi avec des Kalista. Oui. Kalista, c'est vraiment d'un pisseur en mode reviens maintenant, ça suffit. Hein. Arrête, tu vas die. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas trade. Oh le route sur Temp, on va pas pouvoir follow up malheureusement. C'est un cauchemar actuellement pour Crazy. Parce que le build de GP est parfaitement adapté à la situation. C'est-à-dire qu'on est sur Triforce, mal Morsus, donc la résistance magique est beaucoup trop élevée. Et on sait que Echo, niveau pourcentage de dégâts, il y a quand même un bon. Alors ça dépend si on joue poigne ou ferveur du combat. Mais en grosso modo, t'as un bon entre 40 et 55% de dégâts magiques. Si on compte à peu près tous les procs passifs, qui sont assez fréquents quand même. Et si on compte bien sûr l'ultimate, counter de blue buff. On sent que les ESC sont vraiment pas chez eux actuellement. Ah, on a Jay qui passe derrière. Sur Zan. Wing, pour essayer de temporiser, ce sera Bless qui va le sécuriser bien avec joué. Le smite. Ça fera un smite à l'avantage de Bless. Il était temps quand même. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, cette partie, il a été un petit peu malheureux sur ses smites. Ce n'est qu'un blue buff par contre, dommage. Dommage. On l'aurait préféré sur le dragon précédent. C'est ça. Il était bleu aussi. Mais il était bleu, ouais. Mais voilà, pas suffisant malheureusement. Jhinner de dragon, 3 tours à 0. Non. 7000 gold d'avance. Jhinner qui ferait le baron à moins de 30 minutes.
En vrai, leur composition, hein, 3 la part, leur permettrait de faire cet objectif. Même si le DPS de Jean est relativement faible sur des objectifs. Voilà, il y a besoin de ça. C'est bien parce que du coup, c'est très discret. Ce qu'on pense. C'est très discret là ce qu'ils sont en train de faire. Effectivement, ouais. Gunblank qui fait mal. Le décalage de Bless. Il faut essayer de faker peut-être quelque chose. Non, ce sera repéré quand même. Et une ward positionnée dans le pit du Nashor. On n'aura pas l'occasion plus tard de refaire ce move. C'était quand même intéressant avec Shay qui déplace la Rek'Sai de manière très subtile avec Voyage Abyssal. C'est vrai que Voyage Abyssal qui est un des rares ultimates globaux qui n'a pas d'animation générale. D'animation générale, ouais. Ou même de son. Attention, le Verido, Kuzan sur le front droit. C'est très très bon pour les Jiner. Qui se sacrifie et Bless qui a été coincé. Sous le coup de Trace. Est-ce qu'on peut continuer peut-être du côté de Wing? Non, on va se faire tenir. Oh, qui survit par la Karma. Très bon travail d'ailleurs de Ki. Qui a complètement, en fait, il s'est mis face au Jin. Du coup, aucun coup de rappel ne pouvait toucher derrière. Bah, il lui a mis le contrôle pour l'empêcher de d'annuler le sort. Il a en fait complètement empêché. Oh, et on recommence ici forcément avec un Gangplank en aussi bonne forme. On veut en profiter au max, les rotations de score but. On est déjà à 50% de points de vie. C'est pas de sweeper pour valider la vision. Il faut disengage. Il faut disengage, Jiner. Il faut disengage. Ça craint. C'est compliqué pour Wing à mettre un. Wing reste au-dessus. Il reste 1600 HP. Il a son flash. Le flash in de Wing qui va le venir peut-être. Il met de l'enfant. Oui, ça va sécuriser. Wing qui fait la différence. Au prix de la vie de son top laner. Et Kuzan qui va juste faire fuir les Ever avec sa griffe. Un digne sacrifice. Finalement, un baron pour un GP. On a parlé des mécaniques de sacrifice. C'est pas forcément inhérent au personnage, mais ça fonctionne. C'est vrai que le trade est quand même largement à l'avantage de. J'imagine que Trace n'était pas forcément d'accord pour ce plan à la base. Les gars, je fais quand même une super game là. C'est quoi cette idée? Mais pour le coup, ça se solde par une petite victoire, une grande victoire, attention, qui va être snowball ici par Kuzan. Qui a mis une sauce fabuleuse à Thème qui va être terminée à coup de smite ou de Praiseseeker missile. Et Wing de qui se balade sans sortir du sol. Kuzan qui a quand même pris une sévère. Oh, attention, attention. Le serveur va retourner, pardon. On pensait que les Jiner allaient continuer sur leur initiation et finalement, on va plutôt aller se concentrer sur le dragon des nuages. La contre-attaque était violente effectivement au niveau de Kuzan, mais beaucoup de réussite hein, pour Tempt ici. Ouais, le coup de langue. Oh, il l'a raté. On t'a vu, Shay, tu l'as raté celui-ci. Et c'est là qu'on aurait voulu un smite bleu sur Rek'Sai. Ce que j'ai cherché depuis tout à l'heure, mais pourquoi il a pas smite? C'est vrai, ça joue en couteau du pisteur. C'est vrai, du coup, on apporte la vision et du coup, c'est ce qu'on perd un petit peu sur les phases d'escarmouche. C'est jamais un objet duquel j'ai été fan concernant Rek'Sai. Le couteau du pisteur? Oui, j'aime bien les Rek'Sai Sightstone en fait, ça me choque vraiment pas plus que ça. Je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, un smite bleu ou même rouge, c'est important. En fait, le fait qu'on veuille faire le tiamat rapidement, du coup, ça retarde la side stone et du coup, on préfère terminer le coup du pisteur. Ça peut s'expliquer. C'est un petit peu un choix différent. Puis cette side stone sur Rek'Sai, je trouve qu'elle est un petit peu trop sous-estimée aussi parce qu'avec justement la modification sur les objets à activation, hein, la réduction de 20%, sachant que sur une Rek'Sai, tu peux très logiquement obtenir une égide et un rendu une zomen. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça marche aussi sur l'hydre, hein, l'activation. Bien sûr, c'est vrai. Par contre, Bless qui prend pas mal de dégâts, là les contrôles sont bons, mais Bless il est tanky. Pas de soucis, le quatrième hit qui pourrait toucher. Un joli angle. Oh, les dégâts positionnés par Pilot. Et le décès, il a mis 1200 en crit là, non? J'ai vu un 994. Un 994. Mais il manquait peut-être un 1 pour le coup. Puisque Tempt a littéralement disparu, il ne reste plus que ses fringues au sol. Il n'y a plus une seule forme de vie qui existe dans cette zone. Il reste la petite fleur là. Petit lotus. Il m'aime un peu beaucoup, un peu trop passionnément malheureusement. Et je suis mort. Ouais, le rappel du rideau. C'est vrai que Jean a un champion très fleuri. Voilà, qui doit du coup beaucoup aimer Karma. Et on va récupérer du coup cet inhibiteur sur la mid lane. On pourrait faire la rotation en plus avec la vague de sbires qui s'est positionnée pile là où il faut. Avec le buff Nashor en plus, c'est gratuit là pour les Jiner. Et les Jiner face à leur destin, les Jiner face à leurs vacances surtout, puisque pas de playoff pour ces derniers, mais au moins l'assurance d'être présent au printemps 2017.
Donc quoi, un petit peu faire une bonne rétrospective hein, sur cette sur ce Summer Split. Ouais, c'est vrai que là, du coup ça fait quelques semaines de repos ouais, relatif, il y a quand même quelques compétitions à aller à disputer. Il y a la compète, il y a le bah, il y a les régionales surtout en fait hein, finalement. Il y a les régionales. Les régionales en Corée qui sont assez. Ah non, parce que du coup il est neutre, donc il ne participe pas au. Ah oui, 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 c'est vrai, t'as raison. Par contre, il y a des tournois. Parce que, comme en fait, comme en Corée, les joueurs ne sont pas comme en Occident sous contrat. Le joue de Riot. De Riot. Le joue. Ils ont un peu plus de compétition à faire. Et je crois qu'il y a la compétition EGN qui a lieu un petit peu avant les Worlds, genre en septembre. Ah! Je sais plus c'est ça où il y a un group stage et tout, c'est ça? Ouais, je crois qu'il y a ça. Il y a toujours, c'est vrai qu'il y a toujours une compète en Asie avant, avant les Worlds dans cette période de creux. Après, il y aura aussi les UM. Hein. Oui, il y aura les UM. Je suis pas sûr non. Que les juniors soient qualifiés pour les UM. Je sais pas comment ça va se passer cette année. Oh, bah, attention, Kuzan. Blaise. Ouh, ça va pas suffire malheureusement. Le catch sur Kuzan, les dégâts sont bons, mais la griffe out pour sortir. 13 qui va aller chercher le cut. Ça va faire la différence, les dégâts sont très très bons la part de le cut qui va pouvoir. Et le bombardement ici, qui va tomber? Est-ce qu'on va réussir à trouver Loken? Le voyage à Lisanne par contre. Oh, on perd trop de temps du côté de Loken, ça va permettre à Shay d'arriver. Le rappel. C'est Tatam Ken support. Que fait-il en 1v3? C'est compliqué. Et Wing pendant ce temps-là qui bien sûr se concentre sur la fin de la partie. Avec l'inhibiteur bot side qui est maintenant assiégé quasiment ouvert. Et le voici aller. Voilà, l'inhibiteur est ouvert maintenant. La même chose pour le topside. C'est peut-être le push final pour les Jin'er. Et ouais, effectivement, tous les inhibanus. Un seul mort du côté des Jin'er. C'est ce GP qui, plus est, a une TP. Donc il pourrait vite rejoindre son équipe. Qui devrait le faire. On va back. Oh, quoique. On va back. Back généralisé. On reste sage. Pas de. On reste des Jin'er. Tu vois, on reste quand même. Bonne réaction de Kuzan, la carrière ultimate, du coup il temporise pas mal de dégâts. Mais en réalité, moi, je l'ai perdu de vue, hein, Kuzan, hein, à un moment donné. Parce qu'il a mis sa griffe juste par-dessus le cliff, et son personnage n'a pas repop instant. Ouais. Et finalement. Faire assez attention à ça. On voit l'impact hein, de l'outil de Jin qui force quand même un jungler à rester statique pendant facilement 5 secondes. Alors qu'il pourrait faire bien d'autres choses. Le Saver qui... peut-être ne fonctionne pas si bien que prévu avec cette Karmamide. Le plan. Ouais, c'est moins le style de jeu de Tempt, je pense. Je pense que c'est moins le style de jeu de Tempt parce que on le voit déjà par son optimisation. On a eu le Graal, on a eu l'Arden Sensor et soudainement un Void Staff. Alors que le Void Staff est clairement dans une autre optique. Ouais, il sent qu'il a besoin de faire des dégâts Tempt, mais c'est il n'arrive pas à trouver comment. C'est vrai que l'Arden Sensor, il faut le mettre à local, mais il n'est pas forcément toujours positionné pour pouvoir appuyer son carry AD, parce que quand tu joues un mid laner dans un rôle plus support, tu vas vraiment jouer en second lane en fait, pas très loin de ton ADC, alors que quand tu joues un mid laner qui a le plus de dégâts, t'es avec lui juste derrière la front lane. Parce que tu dois faire le tampon entre front lane et back line. Attention, peut-être le fight final qui est prêt à éclore ici. Crazy qui est coincé, il y a une Ragnar qui tourne. Oh, c'est très difficile pour Crazy, est-ce qu'il peut tomber? Oh mon dieu, Kuzan l'engage dans la backline, le tombeau qui touche deux personnes. Il les lock tous, il est encore vivant. Le Ken qui ne tombera pas par contre, il a réussi à éviter le dernier hit, mais bon, ça ne suffira pas. Je ne pense pas que Lever puisse défendre maintenant. Le back de Wing pour récupérer des points de vie, on va récupérer. Enfin, on va revenir vite avec l'ultimate de la Rek'Sai. Kuzan est un génie et mérite amplement son ban sur Lissandra. Un véritable artiste. Allez, ça, l'agression qui continue. Et les Jin'er qui finissent la saison sur une note positive. Victoire 2-1, comme le match aller face au ESC Ever. Ouais, sur un scénario assez similaire au final, avec des games d'une durée dégressive. Et à chaque fois, donc une alternance entre victoire Jin'er et victoire des ESC Ever. Peut-être que dans ce genre de situation, un seul BO3 suffit. On comprend vite ce qui se passe. Peut-être. Bon, Jin'er qui se confirme quand même sa position de 7ème. Du coup une position de. Non relégable, neutre. Voilà. Voilà, on est tranquillité. Parce qu'évidemment, si vous ne saviez pas, en playoff LCK, il n'y a pas 6 places, il y en a 5. Ouais. Seulement. Et elles sont déjà toutes validées. Allez. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. Fin de saison également pour ESC Ever. Il va falloir se concentrer sur. Il y a les Open Doll à jouer du coup pour les Saver. Voilà, les Promotion Tournaments. La semaine prochaine d'ailleurs. C'est ça À vérifier peut-être pendant la pause. Mais
il me semble. Non, c'est les playoffs la semaine prochaine. Ils font les playoffs avant les promotion tournament. Peut-être, peut-être. Hein. C'est vrai que c'est pas le cas en Europe. C'est vraiment un format très différent, donc ils ont, ouais, il faut tracer un petit peu. Ok. En fait, les équipes ne connaissent pas vraiment leur. Enfin, par exemple, les Rock Tigers, ils vont pas connaître leurs adversaires avant le dernier match finalement. Donc ouais, ça va être terrible pour eux. Enfin, même si bon, par déduction, tu peux te dire que il y a quand même un fort pourcentage de chances que ce soit SKT soit KT. Et on voit ici un peu les dégâts des Jiner. On voit surtout en fait les dégâts des Jiner, hein, puisque pour les ES Ever, personne n'a véritablement passé la barre des 15 000. On s'est montré plus discret effectivement. Du côté de ces Ever, les Jiner qui ont réussi à mettre une bonne phase d'agression, une game qui finit en 32 minutes de jeu, on n'est plus forcément habitué, mais c'est rafraîchissant de voir ce genre de style de jeu. C'est vrai que Kuzan, avec une Lissandra qui part Abyssal First, donc vraiment sur de l'agression en très tôt dans la partie, il arrive à faire une grosse différence et ça ne m'étonnerait pas qu'il se voit décerner le titre de MVP. C'est amplement mérité. En plus de ça, Kuzan, c'est pas la première fois qu'il nous fait cette démonstration de Lissandra. C'est arrivé durant cette semaine et durant cette fin de split particulièrement, et contre des midlaners en tout genre finalement, de Faker jusqu'à, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Et c'était bien entendu. Ah bah oui, bon, il a le MVP. Et c'était bien entendu Tempt. Ah, le Tempt. Voilà. Faker à Tempt. GPM 4-4-4. Jin serait fier. Ah, 800 points quand même hein, pour Kuzan là. C'est pas mal. Il rentre dans le classement et il est à égalité justement avec Faker. Mais vous voyez, ceux qui sont tout en haut, c'est Smeb. C'est Someday. Et il y en a un qui joue aujourd'hui. Et qui pourrait aller chercher ce titre là de. Qu'est-ce qui se passe s'il y a égalité ? Genre un match de boxe ? Un petit 1v1 ? Un petit 1v1 ? Mains nues, pieds nus, dans la poue ? Allez ! Je sais pas. Beauté. Ou un petit Junken ? Pierre Feuille Ciseau ? Ouais. Shifumi ? Pourquoi pas ? On voit quelques highlights justement du MVP de cette game, Kuzan. Bon, niveau démonstration, on a vu plus spectaculaire tout de même. Mais c'est ici. Voilà, sur l'intelligence des mouvements, sur le timing des décals, sur la synchronisation avec ses teammates. Puis ça, c'est que le travail d'une Lissandra sur la pression prend forme, qu'il met aussi en teamfight, à mine de rien, parce que ça, ouais, il arrive à sécuriser énormément de. Le dernier teamfight, ouais, particulièrement. Dernier teamfight. Il a été très très bon là-dessus. Là, il rattrape Bless, ça lui permet de prendre le. Là, juste ici, la griffe, hop, dans la backline. Il fait tellement mal sur Tempt et sur Loken, c'est parfait. Et les tempos, et il survit. Et il a changé de skin d'ailleurs, un peu sage. Parce que la griffe était rouge, je viens de m'en rendre compte. Il faut changer les. Il faut faire varier les plaisirs en termes de visuel. Du coup, félicitations à Kuzan, félicitations au Jiner qui vont pouvoir récupérer du coup cette victoire 2-1 contre les Ever, qui doivent, je pense, être déçus quand même de leur BO. Ils avaient peut-être les moyens d'aller chercher ce 2-0, mais c'était compliqué. J'en ai la conviction, qui se sont montrés meilleurs. Maintenant, on va pouvoir passer au dessert. On va pouvoir passer au dessert, mesdames et messieurs. Et l'affiche parle d'MM Katie Rollster contre Samsung. La bataille pour la troisième place de ce Summer Split de LCK. On est à 10 points au niveau de Samsung. On est à 12 pour les Katie Rollster. Tout se joue ici pour les deux équipes. Et rappelez-vous, ça a de l'impact puisqu'il y a une étape supplémentaire à gratter au niveau des playoffs, ouais, vu le format de l'arbre. Donc, sans transition, Katie Rollster contre Samsung Galaxy. C'est juste après la pause sur Gaming. Ne bougez pas et à tout de suite.